Bonsoir, madame, monsieur, une fois de plus, merci de votre fidélité. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme tous les lundis, mardis, mercredis, 21h, 23h sur cette antenne 308 sur le bouquet Canal 7 et vous permettant ainsi de pouvoir échanger, décrypter et commenter avec nous des sujets phares d'actualité. Ce soir, deux sujets retiennent notre attention, des sujets importants les uns les autres, sujets par ailleurs qui nous permettent ainsi de pouvoir refaire le tour de l'actualité. Parmi ces sujets, nous parlerons de la question de la gestion des entreprises publiques au Cameroun. On le sait, depuis quelques jours, 18 directeurs généraux de ces entreprises publiques ou parapubliques sont convoqués devant le Conseil constitutionnel, cette suite à la requête de Denis Emmanuel Atangana, président du Front des démocrates camerounais, un parti politique. D'ailleurs, l'homme apparaît comme étant un acteur qui voudrait voir plus clair, comme tous les autres Camerounais, autour de la gestion des entreprises parapubliques camerounaises. Pour lui, la longévité de ces acteurs au sein de ces entreprises parapubliques ne donne plus la perspective d'une meilleure gestion ou alors d'un développement harmonieux au sein de ces structures publiques ou parapubliques. Comment comprendre cette situation? Peut-on l'analyser autrement? Ou encore, peut-on comprendre que ces directeurs généraux, pratiquement pour la plupart devenus inamovibles, sont dans l'illégalité totale? C'est l'une des autres questions qui va meubler la première partie de ce programme tout au clair sur la télévision du monde. Nous restons dans la gestion des affaires publiques et nous nous interrogeons autour de la gestion du patrimoine foncier de l'État. Des batailles semblent être désormais ou plus que jamais ouvertes autour du foncier public. Bataille ou entre bataille et dilapidation, la question est au cœur depuis la sortie du ministre des Domaines, Cadastre et Affaires foncières, Henri Eyebe ici, qui a annulé des titres fonciers qui jusqu'ici étaient sous la coupole, faut-il le rappeler, du cabinet Atou. On se souvient encore que le cabinet Atou est ce cabinet qui a déclenché une affaire forte devant le tribunal criminel spécial contre le directeur du port autonome de Douala. A-t-on mis la main dans la fourmilière ou finalement les fourmis semblent être dehors pour justement également comprendre ce qui ne va pas autour de la gestion du foncier de l'État, surtout quand on le sait, le chef d'État Paul Biya, à travers une décision, avait justement amené ou alors décidé de ce que finalement le foncier soit essentiellement géré au sein de la présidence de la République. Comment comprendre tout cet engrenage ou alors toutes ces batailles et même ces dilapidations? On en parlera en deuxième partie de ce programme avec nos invités, mesdames et messieurs. 5, excusez-moi du peu, feront le débat avec nous dans le cadre de cette autre livraison de Tout au clair sur la télévision du monde. Vous le savez, l'émission se veut être interactive. 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès à ce programme LTM TV officiel et vous partagerez avec nous ces 120 minutes d'émission impartie pour justement commenter avec vous, décrypter l'actualité et l'actualité du jour. Ce sont ces deux sujets posés sur la table du débat. Tout de suite, la présentation de ce panel, mais avant, ce break. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair de ce soir. Je vous le rappelais il y a quelques instants encore, 5 invités vont nous accompagner dans le cadre de cet échange, des acteurs politiques pour la plupart, mais également des universitaires. Et bien évidemment, notre consultant en maison avec eux, les deux sujets sur la table du débat seront longuement épluchés avec votre contribution. Et nous attendons vos nombreux SMS comme il est de tradition à partir de 21h sur la télévision du monde. Et parmi nos invités, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est un acteur économique. Il est au cœur de la gestion des affaires par contre privées. Il est d'un autre ce soir. Lui, c'est Max Wabo,
que nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde de ce lundi. Bien évidemment, avec la contribution de la technique, voilà, on va pouvoir y arriver très, très rapidement pour pouvoir être en phase avec nos téléspectateurs dans le cadre de ce programme du soir. Max Fabot, bonsoir et merci de votre fidélité à ce programme. Bonsoir Frédéric, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Je salue mes compagnies et tous les spectateurs qui nous regardent, les téléspectateurs qui nous regardent. Merci à vous Max Wabo d'être des nôtres ce soir. Je sais que vous êtes un acteur de choix. On vous appelle AP au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être encore avec nous ce soir. Un autre acteur politique, conseiller municipal à Douala, troisième militant du PCRN, est avec nous ce soir. Vincent de Paul-Yedich, bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonsoir à mes copanélistes. Permettez-moi, n'est-ce pas, de saluer les milliers de camarades qui se sont déployés ce week-end dans tout l'étendue du territoire, n'est-ce pas, pour implanter le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Merci à vous, Monsieur Vincent de Paul-Yedich, conseiller municipal à Douala, troisième en face. Trois autres acteurs vont nous accompagner, notamment un universitaire. Il est enseignant de droit public, je ne me suis pas trompé. Il est enseignant à l'université de Douala, mais également dans plusieurs autres universités du Triangle national. Lui, c'est le docteur Luizon Essomba, que nous recevons une fois de plus. Docteur Essomba, bonsoir. Bonsoir Frédéric Motomé, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec gré les autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent à l'instant sur des sujets poignants qui marquent la vie de notre société. Merci à vous de nous accompagner ce soir, docteur Essomba. À côté de vous, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, il est certainement à l'assaut d'une place de choix également au sein de l'échiquier du RDPC dans sa circonscription, puisqu'il est également conseiller municipal, je pense dans la région du centre, précisément en Bankomo. Voilà. Lui, c'est Jean-François Yenga qui nous recevons également ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric, bonsoir à nos copanélistes, bonsoir mes copanélistes, bonsoir aussi à ces milliers de Camerounais qui nous écoutent. Et je voudrais profiter de votre plateau pour encourager les camarades qui sont sur le terrain. Vous savez, depuis un certain temps, le Cameroun est en ébullition parce que le plus grand parti, le RDPC, est en train de faire sa mue. Et par le renouvellement des organes de base dont nous sommes sur le terrain. Vous voyez, je sors comme ça de Bankomo où je ne veux pas laisser ma place partir. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul à la télé. Je suis de retour. Merci beaucoup à vous, Jean-François Yenga. Bonne chance pour ce qui est du renouvellement des organes de base au sein du RDPC. Notre consultant également est là ce soir. Abel Libelo Babel, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner une fois de plus. Merci de me permettre à l'entame de cette émission, de dire une fois de plus aux acteurs politiques que les transformations dont nous rêvons, en particulier l'avènement d'un nouvel ordre politique, ne peuvent pas se faire si nous utilisons le mensonge contre notre adversaire. Il a été dit ici avec beaucoup de ténacité la semaine dernière contre le président de la République, qu'il a modifié le nom du Cameroun par un décret. Et j'entends des gens le dire sur les plateaux de télévision. Reprendre un tel acte d'ignorance n'est pas bien de la part des acteurs politiques. Parce que c'est dire que le président a utilisé une voie réglementaire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Le président, en 1984, avait saisi l'Assemblée nationale. Et c'est par une loi que le nom de la République unie du Cameroun a été changé par la République du Cameroun. Il faut donc que les gens qui attaquent le régime l'attaquent sur des bases de la vérité. Il faut lui reprocher des faits réels. Pas parce que vous savez que de l'autre côté de l'écran, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas les détails ou la subtilité de la vie politique. On peut leur balancer que Paul Biya fait n'importe quoi. D'accord. Merci beaucoup, Abel Limbelo. On revient sur les sujets. Il y en a deux ce soir. Et on va essayer d'épiloguer sur ces deux sujets avec votre complicité à vous tous, monsieur, sur ce plateau. Également à vous, à la maison. Bien évidemment, pour ce qui est du premier sujet, Abel, 18 directeurs généraux sont
pratiquement appelé à être entendu au Conseil constitutionnel. D'abord, est-ce que, au regard de ce qui est au devant de la scène aujourd'hui, on n'est pas en droit de se dire qu'on se trompe peut-être de cible? Je ne comprends d'ailleurs pas très bien ce qui se passe. Parce que pour ce que je sais des mécanismes de saisine du Conseil constitutionnel, il ne me semble pas qu'un parti politique, fût-il le président d'un parti, peut saisir le Conseil constitutionnel. Pour ce que je sais. Et d'après ce que la Constitution dit. Maintenant, la question des directeurs généraux et leur longévité en contravention avec les dispositions d'un ensemble de textes est une preuve élémentaire et récurrente de la mauvaise conduite des affaires publiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a très longtemps que des dispositions réglementaires qui régissent la prise d'activité, des faits dans les entreprises publiques ne sont pas respectées. Il y a beaucoup de directeurs généraux qui n'auraient pas dû être là en raison de leur du temps qu'ils ont déjà passé à la tête de cette entreprise. Non pas parce qu'ils ne dirigeaient pas bien, mais parce qu'il y a une disposition réglementaire qui limite le nombre d'années que quelqu'un peut avoir à la tête d'une entreprise publique. Maintenant, il m'a toujours été donné de dire que pourquoi ceux qui légifèrent font des lois qu'ils refusent d'appliquer, alors qu'ils ont la possibilité de faire des lois qui leur donnent libre cours dans ce qu'eux, ils veulent faire. C'est-à-dire que le président de la République veut avoir la latitude de garder en fonction un directeur général mais pendant 30 ans. Mais qu'on change la loi. Au lieu d'avoir une loi ou un règlement et oublier de le faire respecter. Tout ça alimente un climat délétère dans le pays dès lors que des faits de cette nature-là s'accumulent. Il y a beaucoup de situations, il y a même des entreprises publiques dont on ne parle pratiquement pas. Oui. Des entreprises comme, je ne sais pas, le cinéma, Centre national du machinisme agricole, des choses comme ça, qui continuent à exister, mais dont personne ne sait très bien qu'est-ce que cette entreprise fait encore. Bon. Et avec des directeurs généraux qu'on ne remplace pas, qu'on a quasiment oublié en fonction, etc. C'est étonnant, cette façon de gouverner. On peut comprendre que le chef de l'État ne tienne pas des conseils de ministres. Il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire qui l'oblige à tenir des conseils de ministres. Mais il y a des dispositions qui limitent la durée aux fonctions du directeur général de certaines entreprises. Et c'est lui qui a mis ces dispositions-là en place. Pourquoi alors il ne les respecte pas? D'accord. Il donne des outils à ses adversaires qui vont se saisir de ça pour ergoter du matin au soir, pour des choses pour lesquelles peut-être le président aurait pu faire autrement. Alors, Vincent de Poledet, est-ce qu'on est en plein dans ce que Abel Limbulbe qualifie, et d'ailleurs ce que qualifie également Denis Emilien Atangana, président du Front des démocrates camerounais, comme étant une expression même à la fois de la malgouvernance et de l'incapacité et l'incompétence du régime de Yaoundé? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse là de l'incompétence du régime ou alors de la malgouvernance. C'est tout simplement l'hypercentralisation, l'hyperconcentration des pouvoirs sur une seule et même personne. Je voudrais vous rappeler que le 13 août 2019, le secrétaire général, n'est-ce pas, du premier ministère a été saisi par un courrier du secrétaire général de la présidence de la République, lui demandant de ne prendre aucune disposition en vue du remplacement des directeurs généraux dont les mandats étaient déjà échus et qu'il fallait attendre les instructions du président de la République. C'est depuis le 13 août 2019. Nous sommes en fin août 2021. Plus de 2 ans plus tard, il n'y a pas eu de consigne venant du président de la République demandant
n'est-ce pas? Ou alors remplaçant ces différents directeurs généraux. Or, les conseils d'administration, sur le texte, sur la loi qui organise, n'est-ce pas, la loi 2017-010 du 10 juillet 2017, qui porte statut général des établissements publics, dispose dans son article 42, alinéa 3, qu'en cas de vacance du poste du directeur général, pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le conseil d'administration, constatant cela, peut donc siéger et prendre des dispositions pour la continuité du service en attendant la nomination par le président de la République. Nous avons des conseils d'administration au sein desquels siègent ces différents directeurs généraux comme secrétaires ou comme rapporteurs et qui valident toute la gestion de ces différents directeurs généraux dont les mandats sont échus. Nous avons eu un cas qui, en réalité, aurait pu faire jurisprudence. C'est le cas du directeur de l'Institut supérieur de management public qui, au lendemain de cette loi, de la promulgation de cette loi, a saisi la hiérarchie pour dire « j'ai déjà passé 12 ans » puisqu'il est stipulé qu'on ne cumule pas plus de 9 ans. Alors, ayant fait ces 12 ans, elle a écrit pour demander à être remplacée. Ne l'ayant pas remplacée, elle a démissionné. Mais qui l'a suivi? Les autres feignent plutôt des quatre fers pour rester là. Mais, tel que je l'ai dit, je reviens sur mon postulat de départ, il s'agit là de l'hyper-concentration des pouvoirs qui repose sur un seul homme qui doit décider sur tout et qui doit réguler toute la vie de notre société. Et vous voyez bien que humainement, ça devient difficile pour lui. D'accord. Alors, Jean-François Yenga, on est dans l'hyper-concentration du pouvoir. Tout entre les mains du chef de l'État est pratiquement peut-être débordé par ce trop plein de pouvoir qui lui est confié. Oui, Fred, je dirais si je ne me reconnais pas sur ce plateau, surtout que lorsque le conseiller aidait, a commencé à lire l'article 2017, l'article 11 de la loi de 2017, j'ai cru qu'il allait lire l'article qui doit normalement être lu pour appuyer le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Monsieur le conseiller, monsieur Fred Moutoumé, la loi qu'évoquait mon camarade conseiller, Yedin, tout à l'heure, collègue, est tout simplement claire en son article 70. Maintenant, lorsque nous regardons le caractère non rétroactif de la loi, vous le savez très bien, que la loi date de 2017. Aucun directeur général n'est entre guillemets illégal actuellement. Puisque la loi date de 2017, et on vous dit bien que le directeur, je passe sous le contrôle d'un juriste, le docteur Luzon Issomba, qui est à côté de moi, sait bien que d'après le principe de non rétroactivité de la loi, la loi ne date que de 2017, donc si nous partons sur cette base, aucun directeur général n'est illégal au Cameroun. Aucun directeur général n'est illégal au Cameroun. Et même lorsque cela s'avère vrai, ce n'est pas du ressort du chef de l'État. Monsieur le conseiller, si vous lisez très bien cet article, vous verrez que l'article stipule dans son alinéa 1, le directeur général et, s'il y a lieu, le directeur général adjoint sont nommés à la majorité des deux tiers par conseil d'administration sur proposition de l'actionnaire majoritaire ou unique. Qui est l'État du Cameroun? Oui, dans le cadre d'une entreprise publique, l'actionnaire majoritaire, c'est l'État du Cameroun. Et on vous parle bien qu'il faut qu'un conseil d'administration siège. Donc ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est que si on s'appuie sur la loi de 2017, aucun directeur général n'est illégal au Cameroun. Deuxième chose, si on veut satisfaire à ces observateurs véreux des petits partis politiques qui veulent
peindre tout en noir, les apôtres du chaos, vous verrez que c'est un argument majeur, un atout majeur. Mais comme le disait le grand frère Limbé Lobé tout à l'heure, accusons le gouvernement en place par des faits réels. N'accusons pas le gouvernement sur du mensonge. C'est ce que je voudrais dire à ce propos. D'accord. Alors, avant d'arriver au docteur Essomba, pour peut-être recadrer les uns et les autres, parce que c'est l'homme de droit qui parlera tout à l'heure, l'acteur politique du MRC, notamment Max Wabo, sur cette question de ces directeurs généraux, pour la plupart, les acteurs politiques, économiques et même la société civile estiment qu'ils sont au-delà du timing qui était prévu ou qui est prévu par la réglementation en vigueur. Que pense le MRC sur cette question-là? Non, Frédéric, la question n'est pas que pense le MRC. C'est un problème qui est central. Mais moi, j'ai un problème. Il est dit en droit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif, certes. Alors, mais moi, j'ai un problème. Lorsqu'on évoque justement, vous parlez de l'article 70, je crois. Oui. On parle là du cumul. Et moi, justement, j'ai un problème avec l'expression cumul. L'article 70, alinéa 3. Oui. Oui. On parle du cumul. Alors, est-ce qu'on se place, parce que si on se place à partir de 2017, oui. Restez ainsi, ça commence à partir de 2017. Alors, à l'heure actuelle, on est tenté justement de dire que... On est juste tenté. Oui, bien sûr. Parce que je veux mettre deux hypothèses. Oui. Si on reste en 2017, d'accord, à partir de 2017, on regarde, ça ne peut pas donner 9 ans. Et du coup, on peut bien comprendre que ces directeurs généraux ne sont pas en situation irrégulière, disons comme ça. Mais moi, quand on parle du cumul, est-ce que le cumul, là, ne peut pas permettre de rentrer en arrière? Parce que quand vous voyez, par exemple, dans cette liste, moi, j'ai dit que oui, la loi ne dispose que pour l'avenir, après des faits rétroactifs. Mais le problème du cumul, là, le cumul part à partir d'où? Parce que vous trouvez justement dans la liste des gens qui ont déjà 28 ans, d'accord, qui sont en poste depuis 28 ans. Est-ce que le cumul ne veut pas dire qu'on rentre en arrière? Je suis très embêté. Je suis très embêté. Mais partant du principe que la loi ne dispose que pour l'avenir, je suis donc tenté de dire qu'à ce niveau-là, je ne vois pas trop bien comment ces directeurs généraux se trouvent en situation irrégulière. Hein. Mais moi, j'ai le problème avec la notion de cumul qui figure dans cette loi. Vous comprenez un peu? Le cumul, c'est à partir du moment où ils prennent fonction? Ou bien est-ce qu'on sort la loi de 2017, d'accord? Est-ce qu'on bafoue? Est-ce qu'on met en parenthèse, justement, les temps qu'ils ont déjà passés? Moi, j'ai parfois le sentiment que le cumul permet, justement, de rentrer en arrière. Hein. Alors, si on rentre en arrière, ça veut dire qu'il est possible, justement, que ces directeurs généraux ne soient pas en bonne posture. Docteur Somba, l'homme de droit, est-ce qu'on est dans la question de la non-rétroactivité? Ou alors, malheureusement, ces directeurs généraux tombent sous le coup de la loi qui, au regard pour certains qui ont passé 20, 30, et Limbi évoquait tout le cas de certains directeurs, et la presse a relayé également qu'il y a des directeurs généraux qui ont déjà passé un peu plus de 43 ans à certains postes du Dumas, à leur poste de responsabilité. Comment comprendre cette situation sur le plan du droit? Frédéric, et j'ai souvent l'occasion de le dire, les lois se posent, se juxtaposent et se superposent. À un moment donné, lorsque survient un contentieux ou un problème comme c'est le cas, vous voyez donc qu'on commence à rechercher les lois. Je voudrais plonger dans l'histoire. Vous savez, c'est la loi de 99 qui réglemente les entreprises publiques, qui fixe en son article 36 que, qui dispose en son article 36 que, les directeurs généraux sont nommés pour un mandat de 2 ans, 3 ans, renouvelable 2 fois. C'est-à-dire que ça, c'est la loi de 99 sur les entreprises publiques. Et cette même disposition est reprise sur la loi, justement, du 12 juin 2017, qui prévoit exactement la même chose. Et l'article 127 de la loi de 2017 précise que, dans son article 125, que toutes les dispositions de la loi de 99 sont abrogées. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'un principe général de droit qui est simple, et l'autre Wabo l'a rappelé, voudrait que la loi ne prévoit que pour les effets que pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons à partir de 1999 jusqu'en 2017, ça fait 18 ans. Alors, cela veut dire qu'ils ont déjà plus de 9 fois 2, ça fait 18. Si on passe sous l'empire de la loi de 99, ils sont tous dans l'illégalité. Maintenant, si on commence à compter à partir de 2017, et là, c'est une manœuvre réglementaire, ou si tu voulais, légale,
qui a voulu que le législateur vienne protéger donc ces directeurs en instaurant dans la loi de 2017 qui voudrait que ces directeurs soient nommés pour un mandat de 3 ans, renouvelable 2 fois, donc ils doivent faire 9 ans. Alors si on compte bien 2017 à ce jour, ça ne fait pas encore 9 ans. Donc ils ne sont pas sous le prisme de l'illégalité au regard de la loi de 2017. Maintenant, il y a l'article 70, alinéa 3, où l'on parle de cumul. Le problème que Masmoubo pose, c'est que cet article, en réalité, est mal rédigé et crée l'opacité. Au point où l'article ne nous dit pas que le cumul part à partir de la nomination. C'est-à-dire que dès, on commence à prendre compte dès la nomination. Et c'est là où il y a véritablement problème. Parce que l'article 70, alinéa 3, monsieur, pardon, est-ce qu'on peut relire? Non, article 70, alinéa 3. Est-ce que vous pouvez le relire pour que les téléspectateurs comprennent? Nous avons une mission d'éducation. D'éducation et de pédagogie oui, également. Oui, de pédagogie également. Et cet article vient donc dire que le cumul est interdit. C'est-à-dire que au-delà de 9 ans, vous êtes dans une situation de l'illégalité. Or, l'expression cumul ici ne nous fait pas savoir si c'est dès la nomination initiale ou dès l'entrée en vigueur de la loi de 2017. Et voilà. La ligne 3 dit, dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général adjoint ne peuvent excéder 9 ans. Ne peuvent excéder 9 ans, les mandats cumulés. Donc le législateur laisse un vide. Il ne nous dit pas si le mandat cumulé commence dès votre nomination initiale. Et c'est là où il y a vraiment un problème. Et vous savez que là, il y a le flou, il y a le loup. C'est-à-dire que chacun maintenant peut interpréter cette disposition à sa manière. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si nous restons donc sous le prisme de la loi de 2017 qui est en vigueur, qui a abrogé la loi de 1999, ces directeurs généraux ne sont pas dans l'illégalité. Abel, on est dans un flou total maintenant avec ces précisions données par l'homme de droit autour de cette affaire de la gestion ou du moins de la longévité ou non des directeurs généraux des entreprises, mais pourtant, un acteur politique, vous avez dit tout à l'heure que vous ne compreniez pas très bien son engagement ou bien sa détermination à aller vers le Conseil constitutionnel. Est-ce l'organe habilité à recevoir ces directeurs généraux-là? Je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que l'une des missions du Conseil constitutionnel, c'est d'interpréter la loi. Lorsque on ne s'entend pas sur ce que dit la loi, c'est au Conseil constitutionnel de dire qu'est-ce qu'elle a dit. Et on s'en tient à ce que le Conseil constitutionnel a dit. Le problème, c'est que qui le saisit? C'est ça. Même pour dire, en cas de doute, qui saisit le Conseil? La Constitution est claire. C'est le chef de l'État. Je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un parti politique là. Il n'y a pas un parti politique là-dedans. Monsieur Ntomé, moi, député ou simple citoyen, je ne peux pas écrire au Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que si le Conseil constitutionnel est en train de trancher ou de réfléchir sur cette question, ce n'est pas parce que ce président de parti l'a saisi. C'est toujours ce type d'amalgame que les hommes politiques d'une certaine mauvaise école... Pourquoi vous pensez que c'est un amalgame qui est né des acteurs politiques alors que pourtant, même si on est parti simplement de l'interpellation du président de cette formation politique, il y avait du grain à moudre pour les membres du Conseil constitutionnel. Qu'il y ait du grain à moudre, soit. Mais que le Conseil se soit réuni parce que ce monsieur l'a saisi, c'est une autre chose. La session doit avoir lieu le 7 septembre. Il faut donc faire savoir aux Camerounais que le Conseil ne se réunit pas parce que ce monsieur l'a saisi. Il ne peut pas le saisir. C'est tout ce que je dis. Quelqu'un ne peut pas saisir le Conseil, il ne peut pas. Même si le Conseil se réunit après qu'il ait écrit. Maintenant que lui, il a dit que j'ai écrit, le Conseil s'est réuni parce que j'ai écrit. Ça, ce sont les choses du quartier. Mais le Conseil ne se réunit pas quand, ne reçoit même pas la correspondance, ne donne pas suite à la correspondance d'un acteur qui n'a pas qualité constitutionnellement pour le saisir. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que il y a des discussions que je considère comme typiquement africaines, qui relèvent tout simplement des mauvais comportements des citoyens. Et ce que la discussion que nous voulons avoir là, elle est récurrente.
dans tous les pays africains où on a modifié les constitutions, parlant soit de la limitation des mandats, etc. Il y avait des mandats qui n'étaient pas limités. Un jour, on limite le mandat et on commence à discuter sur le président qui est en fonction, qu'il a déjà fait le nombre d'années que la Constitution interdit de faire. Et tous les pays où on a eu des limitations, où on a fait sauter les limitations de mandat, on a eu ces débats. Bon. Mais tout le monde dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Ça veut dire qu'elle ne peut prendre effet. Qu'elle ait dit ceci ou qu'elle ait dit cela, qu'elle n'ait pas été claire ou pas, elle ne peut prendre effet qu'à partir du moment où elle existe. C'est simple à comprendre. Pourquoi, si elle dit que le mandat cumulé ne peut pas dépasser 9 ans, vous commencez à réfléchir sur la durée qu'un monsieur a déjà fait avant l'existence de la loi? Elle n'existait pas. Donc la loi de 2000 combien? 17. Si vous voulez l'appliquer, vous commencez à compter les mandats déjà à partir du jour où cette loi existe. Pas avant. On n'a pas besoin de rentrer vous dire qu'il était là depuis 82. Non. Il peut avoir été là depuis 82. Mais comme la loi n'existe qu'à partir du jour où on l'a promulguée, c'est à partir de ce jour-là que vous commencez à compter la durée de fonction de tous ceux qui sont sous le coup de cette loi-là. C'est logique. C'est ça qui est logique. Sauf que les juristes, comme ils sont tous des gens de A4, de B, de C, quoi et tout ça, ils n'ont pas la logique. Ils aiment les discussions. Mais dans ma tête, le petit physicien que je suis, si on me dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, eh bien, je commence à compter son effet à partir du jour où cette loi existe. D'accord. Alors, Max Wabo n'est pas tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps, Max Wabo, il y a des gens qui sont là depuis de très longues années. Est-ce que cela n'a pas un impact plutôt négatif pour le développement des entreprises parapubliques dont ils ont la charge et qui aujourd'hui, peut-être entre deux lignes, ne sont pas en très bonne posture? Très bien. Avant que de répondre, permettez-moi. Je voudrais dire à M. Elimbi qui dit qu'un président de futil, président d'un parti politique, n'a pas le droit, n'est pas habilité dans ce contexte à saisir le Conseil constitutionnel. Moi, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. Moi, je veux plutôt rester dans le fond. Est-ce que le problème posé est un problème réel? Est-ce qu'on est dans une situation? Est-ce le Cameroun se retrouve dans ce type de cas? Moi, je dis oui. Donc, maintenant, la qualité de celui qui saisit le Conseil constitutionnel, pour moi, ne m'intéresse pas véritablement. Mon problème, c'est que, est-ce que le problème posé peut retenir notre attention et peut faire l'objet d'un débat? Je dis oui. C'est sur cette base que moi, je pense justement que je peux répondre. Bien, maintenant, M. Elimbi, je ne voudrais pas, parce que c'est très facile, la même loi qui peut vous faire avancer, la même loi pour vous faire reculer. On dit bien, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Rien n'empêchait donc le législateur d'éviter qu'il y ait le flou. Dès lors que le législateur vient vous dire, il parle de cumul, on peut bien se poser la question. Le cumul, c'est à partir de 2017 ou alors c'est le jour de la nomination. Vraiment, que vous ayez votre hypothèse, moi je dis qu'il y a deux hypothèses qui vont entrer en jeu. Ceux qui vont se situer de 2017 et en 2017, je dirais, ils n'ont pas totalement tort. Y compris ceux également qui vont se placer à partir du jour de la nomination. Le législateur aurait pu trouver justement un autre mot à la place de cumul que le problème ne se poserait pas. Parce qu'on a le sentiment qu'on se lève, on se livre à un débat subjectif. Qu'on reste du matin au soir, il serait difficile justement de trouver le juste milieu. Il revient donc au législateur, rien n'empêche le législateur de chercher à reformuler cette loi en question, ou bien de lever justement le verrou, ou bien de lever justement le qui est là. D'accord, pour que ensemble justement on puisse s'entendre. Maintenant vous posez la question, oui, il est évident que si vous restez à un poste pendant 10, 15, 20 ans, vous ne pouvez pas, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, être toujours rentable. Donc on le veut ou pas, rester à un poste pour ceux qui ont fait un peu d'économie, qui ont connu des auteurs comme Taylor, qui préconisait justement la rotation des tâches. Si vous restez à un poste, même pendant 5 ans, à un moment donné, vous commencez justement à ne plus être rentable. C'est-à-dire que vous faites des choses par automatisme. Vous comprenez un peu? Or, l'employé doit pouvoir roter. Plus l'employé rote, il passe
d'un poste à un autre, il a justement soif de la découverte. Il essaie de donner le meilleur de lui-même. Vous comprenez un peu? Donc, un directeur qui reste là pendant 20 ans, 30 ans, on ne peut pas me dire que ce directeur, après 30 ans, a toujours le même degré de rentabilité. C'est quasiment impossible. En économie, ce sont des thèses qui sont totalement refutables. Alors, est-ce qu'on est dans l'efficacité recherchée en maintenant ces acteurs ou ces directeurs généraux-là, ou simplement on est dans une redistribution des cartes qui permettent aux uns aux autres de ne pas aller fumer ou de ne pas aller postuler ailleurs? Moi, je pense que nous sommes dans l'optique de l'efficacité. Et si nous restons cohérents, vous verrez que le conseil d'administration qui siège chaque année, je crois, 3-4 fois, 2 à 3 fois, est l'organe supérieur de chaque entreprise. Si ces directeurs n'avaient pas été efficaces, je vous dis, le conseil d'administration décidera du sort de ses administrateurs depuis. Donc, pour le moment, nous pouvons faire confiance, si nous voulons rester cohérents, j'insiste, à ces administrateurs. Maintenant, vous savez, ne nous leurrons pas... On est aussi dans des situations où très souvent, on a peut-être validé des comptes des entreprises, mais cela n'a pas été fait dans les règles de l'art. On n'a pas toujours accepté ce qui a été fait. Parfois, c'était fait au forceps. Oui, c'est pour ça que je vous dis que moi, je reste dans la cohérence. Je ne suis pas là pour fluer dans les poubelles. Je reste dans l'actualité, c'est-à-dire le conseil d'administration a siégé et les comptes ont été validés et l'entreprise, le directeur est resté stable sur son poste. Je voudrais vous dire, Fred Mutomé, nous avons un réel problème aujourd'hui. Le gouvernement en place a une épine dans la chaussure. Quand vous avez des partis politiques qui n'ont rien à faire, quand vous arrivez en Europe, vous verrez que les écologistes sont centrés sur leur travail, sur leur idéologie pour accompagner le gouvernement de la République. Au Cameroun, nous avons des partis politiques spécialisés sur la critique de l'État. Ce qui fait qu'ils vous entraînent, vous les journalistes, ils veulent vous entraîner, vous les journalistes, dans l'erreur. Le président de la République tient les normes de notre gouvernement et il ne s'appuie que sur les règles de droit. Tout à l'heure, là, le débat que nous faisons là n'a pas lieu d'être. Tous les directeurs d'entreprise actuellement en poste, si on se réfère à la loi, sont légaux à leur poste. Il n'y a pas de débat à faire. Et même quand ils sont illégaux, qui classe même le caractère illégal de la loi? Les partis politiques, j'ai eu dire là qu'un directeur de parti politique a pu saisir le Conseil constitutionnel. Au nom de quoi? Au nom de quoi un président de parti politique saisit le Conseil constitutionnel, si ce n'est pas la sorcellerie? Donc je voudrais vous dire, le Cameroun évolue, le Cameroun avance très bien. Et moi, je pense que c'est dans la recherche de l'efficacité, de l'optimisation. Monsieur Wabo, vous allez me dire que vous êtes resté le même depuis que vous avez 10 ans. Je crois qu'au fur et à mesure que vous grandissez, vous voyez mieux le monde. Vous avez évoqué Taylor tout à l'heure dans la spécialisation des tâches. Vous savez pourquoi Taylor évoque la spécialisation des tâches? Taylor et la rotation à haut poste, c'est pour que vous qui arrivez en entreprise aujourd'hui, vous êtes appelé à faire ce qu'on appelle en entreprise glissement, vieillesse, technicité. C'est-à-dire que vous allez croître à votre poste et peut-être devenir directeur général demain. C'est pour ça qu'il faut donc connaître l'entreprise. Parce que même lorsqu'on vous affecte à une entreprise, on vous fait, vous avez en moyenne 3 mois d'essai, où on vous rôde à tous les postes parce que vous devez maîtriser l'entreprise. Un directeur général qui a donc fait 30 ans maîtrise l'entreprise comme sa maison. Vous n'allez pas me dire que, au fur et à mesure que vous restez chez vous, vous perdez le nombre de chambres qui sont dans votre maison, ou bien vous ne maîtrisez plus un tel de vos enfants. Moi, je crois que l'âge nous donne la possibilité de mieux voir les choses. Et si vous côtoyez vraiment ces directeurs généraux, vous verrez que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Je vais prendre l'exemple du directeur de la CNPS. Vous voyez le chiffre qu'il fait du jour au lendemain. Vous voyez les propositions qu'il fait à l'État du Cameroun. Laissons même la CNPS, allons au niveau de la SNI, allons même au niveau du Trésor. Vous avez vu la mutuelle du Trésor qui évolue chaque année, qui construit des hôtels, qui accompagne le gouvernement dans l'élan de construction du pays. Alors si vous n'avez rien à dire, qui peut construire le pays, je demande que vous faites des propositions au pays et non que vous faites des prépositions. Vincent De Paul, s'il vous plaît, non, vous reviendrez dans quelques instants. Permettez à Vincent De Paul de prendre la parole également. Vincent De Paul, l'efficacité, parce qu'on a pris du temps, on a appris à connaître la maison, on est pratiquement au cœur de la gestion d'entreprise. C'est un argument qui peut également donner
de voir la posture du chef d'État qui ne veut pas ou qui n'est pas dans la perspective de faire des rotations, des nominations à la VATOU, à la tête des entreprises parapubliques ou étatiques du Cameroun. Écoutez, ça c'est un sujet extrêmement sérieux et nous devons prendre le temps lorsque nous l'abordons. On ne vient pas s'exhiber ici, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire, quel est l'esprit du législateur lorsqu'il limite la durée des mandats? C'est justement pour éviter que les gens craignent à des postes de responsabilité. Pour qu'ils soient les mieux efficaces possibles. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir d'un certain temps, vous n'êtes plus efficace. Donc, est-ce que le problème de l'application de la loi devrait se poser ici pour quelqu'un qui a fait 30 ans à un poste? Je vais vous dire, nous avons un cas, et vous n'allez pas insulter, n'est-ce pas, l'intelligence du professeur Biboli, qui enseigne le management et qui a été la première à appliquer in extenso l'esprit de la loi. L'esprit de la loi. Et qui a pondu un travail sur l'évaluation, n'est-ce pas, des établissements publics ces 4 dernières années. Ces travaux sont disponibles. On peut consulter pour voir est-ce que ces établissements sont efficaces. Est-ce qu'ils produisent des résultats? Pour la seule année, je prends ces chiffres, pour la seule année de 2020, plus de 400 milliards ont été injectés dans des entreprises. 10 milliards sont revenus à l'État en termes de dividendes. Ça dit que l'État paie de l'argent à entretenir ces différentes entreprises. Les travaux du professeur Biboulet sont disponibles sur le net. Sur un échantillon de 69 entreprises, respectez nos intelligences. Sur un échantillon de 69 entreprises, 66,8% sont en règle. Et le reste ne sont pas en règle. C'est qui le dit? Et c'est des travaux de recherche qu'il faut respecter. Donc on ne peut pas venir faire comme si on politisait tout. Non, on n'a pas à tout politiser. On parle de quelque chose de sérieux et dont l'avenir de notre pays dépend. Nous voulons une fonction publique, n'est-ce pas? On ne parle pas que de la fonction. Nous voulons des entreprises efficaces, n'est-ce pas, qui produisent du résultat. Et c'est l'esprit, vraiment je continue à m'étonner qu'on veut épiloguer là-dessus, c'est l'esprit du législateur pour dire ces gens qui ont trop mis long, à partir d'un certain moment, ne sont plus efficaces. On passe à autre chose. Et il est écrit dans tous les cas, ça veut dire que vous avez été là depuis ou maintenant, vous ne pouvez pas accumuler plus de 9 ans. C'est écrit. Maintenant, si on va venir faire du sophisme, ça va nous ramener dans ce que nous savons faire le mieux. C'est que on a limité le mandat au Cameroun quand ça nous arrangeait. Après, on a fait sauter le verrou parce qu'on ne savait pas que les deux mandats allaient échoir. Après, on a fait sauter le verrou. Non. Je crois que le Cameroun est plus sérieux que cela. Et ce sujet. Et justement, ça a été dit ici tout à l'heure. Le législateur, ceux qui font nos lois, s'arrangent toujours à mettre un petit piège, source de discussion, source d'interprétations diverses. Et justement, quand on interprète en fonction des différents intérêts, il faut faire attention avec nos différentes lois. Nous avons eu cette habitude de dire que notre pays a de très bonnes lois. Mais je vous assure que lorsque vous y intéressez de très près, vous verrez toujours qu'il y a une petite nuance. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Et vous sortirez par là. Oui, je suis à Douala 3e. Lorsqu'on passe aux élections, nous sommes 3e. Et les textes disent que le conseil municipal doit représenter autant que faire se peut les compositions sociologiques. C'est à quel pourcentage qu'on va le faire là? Il y a 6 adjoints au maire. On départage ça comment? Les grands conseillers, on départage ça comment? Il y a un petit flou là. Et c'est sur ça qu'on joue. Et il n'y a pas que ça. C'est comme ça
plusieurs emplois. Donc, vraiment, ceux qui ont la responsabilité de diriger ce pays doivent faire très attention parce que c'est des sources de conflits. C'est des sources de conflits lorsque l'interprétation de la loi est floue et est sujette à plusieurs interprétations, ce n'est pas bien. Alors, la loi est peut-être sujette à plusieurs interprétations, ce qui laisse un véritable flou autour de la compréhension de ce qui est mis en route. Mais il faut tout de même essayer de comprendre au-delà de la loi à la pratique de terrain. Il y a une pratique qui est là. Il y a des hommes et des femmes qui ont la responsabilité des entreprises publiques et même parapubliques. Ces acteurs de choix sont, d'une façon ou d'une autre, des collaborateurs du chef d'État. Ils doivent rendre compte à ce régime en place. Oui, bien entendu, Frédéric. Mais je voudrais faire une précision qui me semble de taille par rapport au Conseil constitutionnel. Je voudrais spécifiquement revenir sur ses missions et sur la qualité des acteurs qui ont compétence ou qualité à l'OCC. Alors, vous savez, le Conseil constitutionnel a ce que j'appellerais des missions principales. C'est-à-dire que régler le contentieux électoral, assurer, régler le conflit entre les rapports institutionnels et assurer le contrôle de constitutionnalité des lois, qui fait d'ailleurs l'objet justement de la requête introductive de M. Emilien Attangana. Maintenant, au niveau de ses fonctions spécifiques, le Conseil constitutionnel est considéré comme une instance consultative, c'est-à-dire qu'il donne des avis. Par exemple, lorsque le président de la République veut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut consulter, il peut prendre l'avis du Conseil constitutionnel. Et une autre mission qu'on a souvent ignorée, le Conseil constitutionnel constate la vacance présidentielle, surtout en cas de démission. Maintenant, s'agissant donc de ces différents domaines, on se rend compte que pour le contentieux électoral, tout parti politique lésé lors d'une élection saisit le Conseil constitutionnel. Tout parti politique. Et même toute personne qui a un intérêt et qualité peut saisir Dans le cadre du contentieux électoral. D'accord. Maintenant, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, la loi dit qu'on spécifie dans les personnalités qui peuvent le saisir. On dit il y a le président de la République, le président de l'Assemblée nationale avec son bureau, le président du Sénat avec son bureau, un tiers des députés, un tiers des sénateurs ou les présidents des conseils régionaux. Voilà ce que précise la loi en termes de saisine, de la qualité de tous ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Bon, maintenant, à la question que vous posez, je dis, il y a un problème clair qui est posé par cette situation. C'est bien évidemment une question de mal-gouvernance. Il ne faut pas qu'on aille chercher des médias à 14 heures. Parce que Elie Bilobe le disait tout à l'heure, et là je suis d'accord avec lui, ça rejoint ce qu'on appelle en droit la compétence liée. Quand la loi te dit qu'à 9 ans, ces gens ne sont plus compétents, il faut les remplacer. Effectivement, dès lors que les 9 ans arrivent, il faut les remplacer. Parce que la loi te contraint d'agir en ce sens. Mmh. Et il y a aussi un problème qu'on pourrait, on évoque, c'est que la question des délais dont nous discutons ici, part aussi du fait que les conseils d'administration ont validé un certain nombre de candidatures, de directeurs, qui, et c'est pourquoi la loi dit même que, dispose ici qu'ils ont un an pour arranger tout cela. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le décret de 2017 qui est pris, vous ne m'avez pas compris dans le premier jet. C'est une manœuvre législative, justement, pour venir sauver ces directeurs qui sont dans l'illégalité depuis longtemps. Et ça veut donc dire que si on continue dans la même lancée, même en 2022, une autre loi peut encore intervenir pour dire que, écoutez, maintenant les directeurs, en plus de 9 ans, peuvent bénéficier. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et je crois que nos législateurs doivent faire très attention. La loi est l'expression de la volonté générale, à la condition qu'elle respecte la Constitution. Et c'est pourquoi toutes les lois doivent être bien écrites pour éviter ce que nous sommes en train justement de faire sur ce plateau. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a le loup, il y a le flou. Ah. Ça veut donc dire que tout le monde peut interpréter la loi où on est là et il peut avoir raison au regard des arguments évoqués. Maintenant, vous avez posé une question. Allez-y. Je ne me rappelle plus. Puisqu'ils sont des directeurs généraux d'entreprise, oui. Ils ont l'obligation de rendre compte à l'actionnaire majoritaire, pour la plupart, c'est l'État. Donc, l'État est représenté par le régime en place, notamment le président de la République, pour être plus précis. Oui, bien entendu. Je crois que c'est lui qui les nomme. Écoutez, moi, pour ma part, je voudrais faire une autre analyse pour indiquer que la question de la rotation du personnel est une question pertinente dans un État si on veut
démocratiser les choses ou si on veut aller dans le sens de la performance même des entreprises. Je pourrais prendre un cas simple. On peut aussi être directeur, on fait 30 ans, on a des résultats négatifs. Comme on peut aussi être directeur, on a 30 ans, on a des résultats positifs. Voilà comme ça peut entraîner à d'autres réflexions. Mmh. Maintenant, je vous ai parlé d'un cas, un cas simple. Vous savez qu'au Sénégal, le mandat était de 7 ans, renouvelable une fois. Quand on a ramené à 5 ans, Abdoulaye Wade a dit qu'on venait de ramener le mandat à 5 ans. Il entre sous le prisme de la nouvelle loi, même comme il avait déjà fait 14 ans. Et il est parti donc aux élections avec Macky Sall. Les Sénégalais l'ont sanctionné. Parce que les Coréens, laissez-le mettre sa candidature, mais on va aller aux élections, les élections vont déterminer. C'est la raison pour laquelle, M. Moutoumé, je pense qu'il faut démocratiser le personnel politique au Cameroun. C'est-à-dire, quand je parle de démocratiser, je rejoins là le professeur Yaoundé qui disait que démocratiser, c'est introduire des nouvelles idées, surtout des nouvelles personnes, porteuses des nouvelles idées dans le sens du développement. Parce que j'ai été tout à fait intéressé par l'analyse que fait François sur la capacité de tel homme à remettre la pensée de tel homme. Mais comme je le dis aussi, vous pouvez faire 5 ans à un poste ou 10 ans à un poste et être totalement négatif. Je crois que le conseiller Yedder venait de faire des statistiques sur le plan économique. Vous voyez que si l'État peut verser 400 milliards au profit des entreprises publiques, pour leur performance, pour leur efficacité. Mais qu'au retour, l'État ne peut ramener que 10 milliards sur les 400, cela veut dire aussi que techniquement, il y a quelque chose. Et que quand le législateur dit que 2 ans, 3 ans, renouvelable 2 fois, c'est que lui-même, il est conscient de ce que à plus de 9 ans, on ne peut plus apporter, innover et apporter des choses qui puissent amener l'efficacité. Donc, voilà en termes d'analyse ce que nous pouvons faire sur ce sujet. Alors, on aura à la possibilité de faire un autre tour de table autour de cette question. Il faut rester efficace à Belimbloumé et pour être efficace, il faut forcément apporter de la nouveauté. Dans mon engagement politique date de l'époque où j'ai estimé que l'alternance, le changement des hommes, si on veut avoir un changement dans le comportement de la société, le changement des hommes est un catalyseur du dynamisme social. Donc vous êtes favorable à ce qu'on ne fasse pas 40 ans, 30 ans. C'est pour ça que j'ai lancé en 2017 une pétition pour demander au président de la République lui-même de prendre sa retraite. Parce que le changement des hommes est un catalyseur du dynamisme. Et ma campagne électorale de 2020, mon projet c'est que si j'étais député, je me battrai pour la limitation de tous les mandats. Ce n'est pas seulement le mandat du président. Parce que tout le monde veut qu'on limite le mandat du président, mais personne ne veut qu'on limite le mandat du député, personne ne veut qu'on limite le mandat des conseillers municipaux. Il y a des gens, tout le monde parle du dynamisme, mais ils sont bien tous d'accord d'être maire en 40 ans. Comme si ce n'était pas aussi un établissement que vous dirigez qui doit être performant. Tout le monde parle de la limitation du mandat seulement du président. Mais quand vous êtes député comme Dongo et Somba, depuis plus de 40 ans, vous rentrez exactement dans la même inertie. Cette fois-ci, vous ne gérez pas un budget, vous ne gérez pas un établissement public, mais vous gérez les idées et l'inertie se retrouve là. Quand j'ai fini de dire ça, je rappelle que j'ai dit ici au début de notre émission que pourquoi on écrit des textes qui ne nous arrangent pas dans le fond? Pourquoi on n'écrit pas les textes? On n'est pas sincère et écrit des textes qui nous arrangent. Ton développement visait à nous montrer qu'on gagne en expérience. Nous sommes tous d'accord que quelqu'un qui dirige 9 ans et quelqu'un qui dirige 25 ans, celui qui dirige 25 ans gagne en expérience. Mais si c'est donc ça l'objectif, écrivez alors le texte qui vous permet de garder les gens en fonction pendant 40 ans. Vous voulez plaire à qui quand vous introduisez une limite? Et à ce moment-là, la posture de Yedder a sa pertinence. De demander qu'est-ce que le législateur veut quand il dit
qu'il faut limiter le mandat. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Cherchons un peu à savoir. Il veut quoi? Et là, il fallait convoquer l'exposé des motifs de cette loi. Pourquoi vous voulez limiter le mandat alors que vous, vous êtes d'accord que c'est quand on dure qu'on devient efficace? Vous limitez alors les mandats, pourquoi? Vous limitez les mandats parce que vous estimez que la dynamique est quelque chose d'indispensable pour avoir la performance. Ce n'est pas discutable. Honnêtement, intellectuellement, si on limite les mandats, c'est parce qu'on pense que il y a les phénomènes de fatigue, il y a les phénomènes de sclérose, il y a des phénomènes qui perturbent l'efficacité si vous ne changez pas souvent les hommes. Si on est d'accord avec ça, lorsque on a pris une telle loi, l'objectif était de ne pas garder les gens en fonction depuis plus de 9 ans. On ne va pas commencer à appliquer la loi quand ils étaient là depuis. C'est faux. Tous ceux qui parlent de ça sont des imposteurs. On commence à compter vos mandats quand on applique cette loi. Vous allez devant n'importe quel conseil constitutionnel, vous perdrez. Si vous demandez qu'on commence à compter le mandat de Moudi qui, depuis qu'il est président de... Il est directeur général de la SNH. Si la loi a été votée et promulguée en 2017, vous commencez à compter. Vous oubliez ce qu'il a déjà fait consommer avant. Ce n'est pas une question de fond. Oui, c'est une question de forme, justement. Mais avant, parce que les gens sont de mauvaise foi politique, oui, et qu'ils veulent trouver matière à entretenir des débats stériles, ils trouveront toujours à dire non, ce n'est pas la forme qui m'intéresse, c'est le fond. Pourtant, vous savez tous, en tant que juriste, que vous ne pouvez rien faire en matière juridique sans tenir compte de la forme. Parce donc, au jour d'aujourd'hui, on doit maintenir les choses telles qu'elles sont. Non, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà dit que ce débat exprime la malgouvernance. Quand vous avez pris cette loi, il y avait deux choses à faire. Soit de renommer tous ces gens-là pour qu'on commence à compter alors à partir du jour où de leur nomination. Soit de faire ce qu'il dit. Parce qu'ils ont gagné en expérience. Mais est-ce que c'est seulement l'expérience à la tête de la SNH? S'il dirige la SNH depuis 20 ans et qu'il dirige bien, il a gagné en expérience. On a donc fait une nouvelle loi. Vous pouvez le prendre pour l'envoyer maintenant à Tradex. Et on commence. Il a toujours l'expérience. Est-ce que l'expérience, c'est seulement dans la même entreprise pour que cela entraîne des difficultés dans la compréhension de l'application de la loi? Et on commence à faire les débats comme les Max Wabo du MSC ISEM. On fait les débats, on dit, oh, c'est le fond, c'est pas le fond, tout ça, on monte, on descend. C'est la mauvaise gouvernance, parce que si j'étais le chef, je prends une loi pour limiter les mandats. Si je veux garder Moutoumé, je l'enlève, je le nomme ailleurs. D'accord. Et on commence à compter son mandat à partir de la date d'application ou d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Et il faut que les gens qui accompagnent le chef de l'État soient conséquents. Qu'ils apprennent à lui dire. Parce qu'il y a plus de... Vous sortirez avec cela. Il y a plus de 200 entreprises publiques. Il y en avait même beaucoup plus que ça avant. Peu importe, une entreprise peut fermer. Comme ton problème, c'est de provoquer le président. Je t'ai d'ailleurs gardé un morceau ici. 1 Timothée chapitre 5, verset 1. Paul dit à Timothée, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Donc faites attention, vous aussi vous allez vieillir. D'accord. Mais écoutez, pour dire que c'est moi qui parle. Pour dire que. Oui. Les gens qui accompagnent le président, c'est à eux de lui rappeler que monsieur le président, ce directeur général-ci a déjà atteint la limite de la loi. Parce que le président ne peut pas faire, que ce soit la loi de 1997 ou 2017, c'est toujours lui. C'est lui qui a fait les mêmes lois. Est-ce que le président, de toute bonne foi, fait ces lois pour refuser ensuite de les appliquer? Pour tomber lui-même dans le coup de la mauvaise gouvernance? Max. Ce sont ses collaborateurs qui ne lui rappellent pas à temps que, monsieur le président, conformément à la loi que vous avez... Monsieur Moutoumé a dépassé le temps. Monsieur Moutoumé, il a déjà fait les 9 ans.
on peut lui proposer autre chose d'ailleurs. Merci beaucoup, Max. Bien, monsieur. En option de proposition dans cette situation qui est celle que nous débattons ce soir, est-ce qu'on devrait redistribuer les cartes pour remettre les compteurs à zéro et ainsi peut-être mettre derrière nous un débat qui est soulevé aujourd'hui et qui parle des directeurs généraux qui, pour certains, sont dans l'illégalité, pour d'autres, sont devenus inamovibles au point où pratiquement la loi ne peut plus les toucher. Non, monsieur Moutoumé, pour faire simple, j'ai dit ici au départ que lorsque le législateur s'engage à introduire un élément flou, il sait très bien pourquoi il introduit cet élément flou. Mais ne perdons pas de vue que ces directeurs généraux des sociétés publiques qui sont nommés, si on va bien regarder, vous allez bien voir que tous appartiennent à une même chapelle politique. Ce qui veut dire que les décisions de nommer ces directeurs généraux, c'est d'abord aussi des décisions d'ordre politique. Maintenant, lorsque des gens sentent qu'à un moment donné, ces directeurs qui ont été nommés servent des réseaux occultes, on arrive à une situation où se trouvant devant une loi et que d'un moment à l'autre, ils doivent pas dégager le plancher, on exploite donc justement la majorité obèse à l'Assemblée, on fait passer ce qu'on peut passer, on fait introduire un flou, ça permet justement de maintenir ces gens. Rien ne va me surprendre si plus tard, à un moment donné, lorsqu'on atteint, si on veut rester sur 2017, à un moment donné, on va atteindre 9 ans. Rien ne me garantit. Peut-être avant les 9 ans, on va également créer une situation et ces gens seront également là. Non. Et là, maintenant, je suis d'accord avec M. Elimbi. C'est tous ceux qui entourent le président qui ne voudraient pas dire au président, écoute, celui-là est déjà frappé par... la limite d'âge. Et justement, M. Elimbi... Bon, disons que c'est à dessein. C'est à dessein, il faut bien quelqu'un qui va rappeler au président, bien, voilà, il y a telle situation. S'ils choisissent de ne pas le faire, ils savent très bien justement qu'ils trouvent leur compte. C'est-à-dire qu'ils choisissent de faire en sorte que le président viole ses propres lois. Exact, exact. Et ça fait non, maintenant qu'on se retrouve justement devant une situation où on nous dira, on a des très beaux textes, n'est-ce pas, au moment d'appliquer justement, ceux qui sont chargés même de prêcher par l'exemple sont les premiers justement qui violent. Alors, je voudrais rappeler quand même à M. Elimbi, non, nous ne sommes pas féroces, d'accord? On n'a pas une douleur ou une colère contre l'âge de M. Biya. Non, l'âge de M. Biya ne nous intéresse absolument à rien. J'ai envie de vous dire, je suis même contre ceux qui pensent que lors d'un débat, il faut évoquer la question d'âge de président à 100 ans. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon problème, c'est que de juger le président sur ses actes et donc sur la gouvernance. C'est voilà tout mon problème. Donc, ton Timothée que tu as lu là, je ne sais pas, vraiment de Dieu, je te retourne ça pour te dire, garde ça au frais. Quand tu trouveras quelqu'un qui va s'attaquer à l'âge du président, tu vas justement y penser. Maintenant, je vais terminer. Si oui, mais bien sûr, mais en même temps, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, pour rendre la chose plus crédible, pour la rendre beaucoup plus stable, que tout le monde soit peut-être sur le même pied d'égalité, oui. Il faut passer à la nomination à tout prix dans les entreprises publiques, parapubliques. Le président, avec, en fait, ceux qui ont voulu jongler, ils avaient le choix. Je dis, ils avaient le choix, ils pouvaient justement procéder comme M. Libby a dit tout à l'heure. Ça veut dire que je vous enlève peut-être à Tradex, d'accord? Je veux vous mettre également dans une autre entreprise. Là, personne ne se serait plaint. Hein. Je crois que si on avait procédé comme ça, personne n'allait se plaindre. On se plaint parce que les mêmes gens sont au même poste depuis très longtemps. Mais est-ce qu'ils sont obligés de rester dans la même entreprise? Mais moi, je vous ai démontré ici là que vous ne pouvez pas faire 20 ans à un poste et on vous dit qu'on est rentable. Mon ami d'en face, il a tenté de vouloir expliquer les principes théologiques que le docteur Luzon a semblé valider. Non, docteur Luzon, vous avez validé parce que vous n'êtes pas un économiste. Non, je ne veux donc pas valider. Il n'a pas suivi. Je dis non. Il n'a pas validé. Il n'a pas validé. De toute façon, il est évident, même en théorie des ressources humaines, vraiment, je crois que la fonction la plus complexe dans une entreprise est la fonction ressources humaines. Il est donc évident que vous ne pouvez pas rester à un poste, même 10 ans, et vous restez efficace. À un moment donné, il faut procéder à la rotation des tâches. Je crois que c'est la meilleure forme de gouvernance. C'est pas pour rien que qu'à un moment donné, le président Biya lui-même, à un moment donné, pense justement à renouveler son gouvernement. Quand on renouvelle le gouvernement, on recherche aussi des idées nouvelles, on recherche également l'efficacité. Jean-François Inga, sur cette question, nous sommes en train de sortir de ce sujet-là, et je ne voudrais pas qu'on y revienne plus amplement. Quelle est la posture qui doit être celle du chef de l'État aujourd'hui au regard du sujet qui est posé sur la table du débat? Et il a fait l'objet de plusieurs débats dans plusieurs
chaînes de télévision et même au-delà des chaînes de télévision, dans la presse écrite, c'est longuement revenu. On est longuement revenu sur cette question-là. Doit-on à tout prix au jour d'aujourd'hui renouveler les patrons, les directeurs généraux des entreprises, notamment les 18 qui sont cités, parce que pour la plupart, on est au-delà de 9 ans, on est à 31 ans, 28 ans, 18 ans, et voire plus. Moi, je pense qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est connu de tous. Et mais c'est aussi un syndicat qui n'a pas, qui ne marche pas à tous les coups. Non, c'est vous qui jugez que ça ne marche pas. Lorsque je suis... en 2002 était fort, mais en 2004 n'était pas fort du tout. Oui, tant que l'équipe gagne, on reconduit l'équipe qui gagne. Les Lions étaient forts en 2002. Est-ce qu'ils gagnaient les matchs? Et en 2003, s'ils ne gagnent plus les matchs, ça veut dire qu'on doit changer. Vous comprenez bien, monsieur? C'est toujours l'équipe qui gagne. Oui. Non, là, c'est l'équipe qui avait gagné. Il y a un problème de concordance de temps dans ce que vous dites. Je voudrais vous dire que pour répondre au conseiller Yedder qui demandait quel est l'esprit du législateur au moment où il limite le cumul, monsieur le conseiller, la durée de vie d'une entreprise, c'est 99 ans. Après 99 ans, cette entreprise ne ferme pas. On limite à 99 ans pour que l'entreprise reprenne les papiers, pour que l'entreprise reprenne un nouveau statut. C'est la même chose. Quand vous voyez un directeur général, quand il émet les bons chiffres, par moment, il demande au conseil d'administration de revoir son salaire. Ça fait qu'après 9 ans, ce directeur général coûte extrêmement cher à l'entreprise. Mais s'il est performant, la loi ne dit pas qu'il doit partir à tout prix. Hein. S'il est performant, le conseil d'administration peut même revenir en disant « Non, mais vous avez déjà atteint 9 ans. On résilie le contrat et on refait un nouveau contrat avec vous. » Vous comprenez? L'esprit du législateur, c'est optimiser en quelque sorte. Sinon, vous aurez un directeur d'entreprise qui va se retrouver avec un salaire trop élevé ou bien avec beaucoup d'avantages. Parce que chaque fois qu'il fait des chiffres, il demande que son salaire soit revu au conseil d'administration. Et c'est ce qui est normal. C'est pour ça que le législateur demande qu'après 9 ans, il faut rompre le contrat de ce directeur général. Mais s'il est ultra performant, comme vous avez cité Aldor Mundiki tout à l'heure, s'il est ultra performant, mais le conseil d'administration va lui dire, monsieur le directeur, nous résilions votre contrat. Mais nous allons vous reconduire comme un nouveau directeur général. Dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé. Il y a simplement que la personne habilitée à nommer à ce poste de responsabilité a nommé une fois et puis il n'y est pas revenu. Non, je suis en train d'expliquer l'esprit du législateur, monsieur Mutombo. J'explique l'esprit du législateur et je suis clair que le législateur ne veut pas dire qu'après 9 ans, on est plus performant. Le législateur se place aussi du côté des avantages qui croient chaque jour en faveur de ce directeur général. Par contre, si on résilie le contrat après 9 ans, il revient peut-être à son salaire d'antan. Maintenant, pour répondre à M. Elimi Lobe qui évoquait le député Ndongo Essomba depuis 40 ans, je crois quand même que c'est une mesure purement démocratique. Le député n'est plus nommé. Le député est élu de la nation. Ça veut dire que c'est la nation qui fait confiance à Ndongo Essomba depuis 40 ans. Maintenant, mon frère Max Ouabo qui dit que ce sont les mêmes directeurs généraux qui appartiennent au même parti politique. C'est une évidence. Oui, je veux vous dire une chose. Que vous... Attendez, je vais vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer. Je vous explique donc que la politique se définit comme l'art de gérer la cité. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir gérer la cité et aller prendre les directeurs généraux comme Maurice Kamto qui chasse le sujet. Pour gérer la cité, tu ne vas donc pas aller prendre Maurice Kamto qui chaque jour va venir brandir les secrets d'État à la télé, même ce qui est faux, même ce qui est vrai. Vous allez gérer la cité avec ceux qui ont la même vision politique que vous. C'est pour cela que vous allez voir le président travailler avec ceux qui ont la même vision politique que le RDPC. Mais je vais vous dire, ça c'est peut-être à des hauts postes, je vais vous dire que ceux qui tiennent même la machine étatique de ce pays sont de l'opposition. Ne voyez pas seulement les directeurs généraux. Il y a les conseillers techniques, il y a par moment même quand vous parlez du RDPC face à un conseiller technique, vous ne savez pas ce qui peut vous rappeler, pas seulement les conseillers techniques. Il y a même les directeurs d'exploitation, beaucoup sont de l'opposition. Beaucoup sont de l'opposition. Donc, le président de la République travaille en première place avec ceux qui ont la même vision politique que lui. C'est pour ça que vous remarquez donc que la plupart
seront peut-être du NDPC. Alors, on va donner une minute au consultant Abel Imelobé pour revenir à vous, parce qu'il y a deux dernières prises de parole autour de cette question. Abel, en une minute, s'il vous plaît, pas plus d'une minute. Je n'ai pas compris pourquoi tu as pris tout ce temps de parole. Parce que nous avons dit quelque chose. Les gens ont des clés. Le président de la République a son équipe. Il pense que ça gagne. On n'a pas dit de changer de joueur. On n'a pas dit de changer d'équipe qui gagne. Mais quand on dit on ne change pas d'équipe qui gagne, on n'a pas dit on ne change pas de poste. Un latéral peut devenir attaquant. Si comme vous estimez qu'il gagne. C'est ça. Parce que vous-même, vous avez fait des lois. Et nous avons évoqué ici la façon de concilier tous ces aspects. Le directeur Valent Koulou, qui a la CNPS, qui a amené des innovations, tout le monde dans le pays est d'accord que ce garçon a fait évoluer après Motazé, la CNPS, où on s'était habitué à considérer que les retraités étaient en quelque sorte... Merci, Abel. Donc, je termine. Mais est-ce que vous voulez nous faire croire que Nkoulou, autant pour moi, ne peut être efficace qu'à la CNPS? S'il a déjà atteint les 9 ans conformément à la loi, il fait partie de l'équipe qui gagne. Envoyez-le au port, là où il y a peut-être des problèmes. Envoyez-le à la caméra, quand il n'arrive pas à faire voler un avion. Envoyez-le ailleurs, parce que c'est un esprit dynamique. C'est un esprit innovateur, c'est un esprit qui a beaucoup de qualités. Merci beaucoup, Abel. Il est dans l'équipe qui gagne, utilisez-le conformément à la loi, mais dans l'équipe qui gagne. Merci mais beaucoup. Conformément à la loi. Alors, Vincent de Pouledé, faut-il faire de cette manière-là? Autour des directeurs généraux d'entreprise parapubliques et publiques. Non, en fait, vous savez quelle est la position du PCN. Je ne sais pas quelle est la position du PCN. Nous sommes des républicains, vraiment, il faut appliquer la loi. N'est-ce pas? Ces jongleries, ces micmacs-là. Non, on est d'accord qu'il faut appliquer la loi, mais de quelle manière doit-on appliquer la loi? Que la loi soit stricto sensus, qu'elle soit appliquée, ou alors avec des aménagements, dans toute sa rigueur, et puis on passe à autre chose. De toutes les façons, un pays ne se gère pas tel que nous voyons là, avec des frères, des amis, des membres du parti et tout. C'est ça qui maintient le pays là où nous sommes. On a besoin des esprits brillants qui sont capables de faire avancer ce pays, qu'il soit de l'opposition ou du parti au pouvoir ou même à politique, on a besoin. C'est des citoyens camerounais. Donc, quand quelqu'un vient nous dire ici là que non, c'est une affaire d'équipe, de village qu'on garde parce que non. Et on voit là où nous sommes aujourd'hui. Non, vraiment, on n'a pas intervenu pour lui répondre sur ce qu'il a dit. Nous souhaitons tout simplement que les lois soient appliquées telles qu'elles devraient l'être. Et c'est le Cameroun qui gagnerait. Les lois doivent être appliquées stricto sensu, elles doivent être appliquées pour permettre à ce que le Cameroun continue à gagner et que davantage les entreprises publiques, avec ses directeurs, qu'ils soient légaux ou illégaux, puissent être performants. Bien entendu, Frédéric, je voudrais répondre par un célèbre auteur, Isna, qui disait que mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre. Et je pense que le président de la République, quand lui-même, il signe, parce que c'est lui qui promulgue cette loi, il promulgue, c'est-à-dire qu'il a lu que il doit, après 9 ans, changer, nommer. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure techniquement, la compétence est liée. C'est-à-dire la loi le lit. Après 9 ans qu'un directeur est passé, il faut le changer. Et vous savez, les changements sont tellement productifs que on a parlé tout à l'heure de catalyseur de développement. Et c'est tout à fait normal. Et je suis contre cette manière de penser qui estime que non, on ne peut être efficace qu'en gérant avec les membres d'un même corps politique ou d'une même formation politique. Si on veut rentrer dans les tests disent que pour être efficace ou pour apporter sa pierre à l'édification de l'État du Cameroun, deux choses, la compétence et la vertu. On n'évoque nullement, je dis bien nullement, le caractère partisan dans l'appel à contribution pour l'édification du Cameroun. J'ai enseigné le droit à la fonction publique, j'ai regardé tous ces tests pour voir si l'entrée, l'accès à la fonction publique est subordonné à le militantisme, la filiation politique. Il n'y en a pas. Donc c'est quand même, c'est un peu exagéré de venir de dire aux gens que non, le président ne peut gérer que non. Nous sommes dans une république, la république, la chose de tous qui appartient à tous. Chacun, selon ses compétences, doit
activement contribuer et participer à le au développement du Cameroun. Oui, avec donc, la nuance que si vous voulez faire la marche pour chasser le Cameroun. On n'est pas la personne, monsieur. Merci, merci. Merci. Il est non, c'est vous. D'accord, on a compris. Merci. Merci beaucoup, on a compris. Si vous voulez me chasser, je ne gère pas avec vous. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre. Monsieur, merci pour votre contribution à cette première thématique. Et bien évidemment, nous allons évoquer la deuxième thématique qui porte aussi sur l'État, sur le patrimoine foncier de l'État entre bataille et dilapidation. La question a été longuement évoquée par la presse durant la semaine qui s'est achevée, surtout après sortie du ministre des Cadastres, Domaines et Affaires foncières, après l'interpellation ou la dénonciation du cabinet Atou autour du port autonome de Douala. Aujourd'hui, c'est le MINCAF qui tape du poing sur la table et annule des titres français qui, de son point de vue, auraient été malheureusement mal manipulés par celui qui avait la pleine gestion, notamment le cabinet Atou. Est-ce qu'on est en train de restaurer ou de redonner pleine vie à ce qui appartient à l'État à travers cette sortie du ministre des Cadastres de manière fait foncière? Première chose, le Cameroun est un pays extrêmement déréglé. Il est extrêmement en situation de dérèglement. La corruption a gangréné tous les segments à telle enseigne que autant les gens marchent ici dehors avec les faux actes de naissance. Je vous assure que si on dit ici aujourd'hui que on met une condition sur les actes de naissance, vous allez voir comment les gens vont être coincés ici dehors. Autant on a des faux actes de naissance, autant les gens ont des faux diplômes, autant les gens ont des fausses cartes d'identité, autant les gens ont des faux titres fonciers. Il y en a. J'ai entendu un ancien bâtonnier faire émettre des opinions, justement, parlant au ministre des domaines, en disant que le ministre est assis dans son bureau, il annule des titres fonciers, les gens ont des titres fonciers depuis 15 ans. J'ai trouvé ça extrêmement léger de la part d'un juriste. C'est comme si tu as fait un faux acte de naissance qui date de 40 ans, il n'est pas faux parce qu'il date de 40 ans. Et qu'un jour, un maire ou un administrateur ou un responsable ne peut pas regarder la légalité de ton acte de naissance au seul motif qu'il date de 70 ans. Un titre foncier peut dater de 50 ans et être faux. Le jour où le ministre qui a la compétence pour annuler le titre foncier découvre que l'État avait été induit en erreur dans l'établissement de ce titre foncier, le ministre est fondé à l'annuler. Il faut que ce soit clair. Les gens, que ça vienne d'un vieux avocat, ancien bâtonnier, j'ai trouvé que c'était très populiste. Écoutez l'argument que tous ceux qui font le désordre foncier dans la ville de Douala, oui, bon, on est là depuis 70 ans. Comme si tu occupes le terrain de quelqu'un illégalement depuis 70 ans, ça devient pour toi parce qu'il y a 70 ans d'occupation illégale. Il faut restituer les choses telles qu'elles doivent être. N'occupez jamais un terrain qui ne vous appartient pas sans l'autorisation du propriétaire. Même si vous l'occupez depuis 70 ans, 250 ans, le jour où le propriétaire arrive, il est fondé au sens de la loi de 74 qui réprime l'occupation, les infractions. Oui, l'ordonnance de 74 qui réprime, non, c'est la loi, hein, qui réprime les infractions en matière foncière. Ok, oui, c'est une loi.
On ne dit pas là que si vous occupez illégalement le terrain de quelqu'un, ça va devenir pour vous. Pour ce qui est de l'État. Donc des gens occupent illégalement des terrains qui appartiennent à l'État. Des terrains qui appartiennent au domaine public se sont vus être immatriculés à cause de la corruption. Plein de gens font des lotissements ici. Ils prennent des marécages, ils introduisent ça dans des lotissements. Vous trouvez des titres fonciers qu'on est en train d'établir. Vous arrivez, vous trouvez des marécages. Le domaine public fluvial. Les marécages font partie du domaine public fluvial. Insusceptible d'appropriation privée. C'est écrit. À cause de la corruption, à cause de ce qui règne au domaine et au cadastre, les géomètres des domaines du cadastre sont à l'origine de ce délabrement qui fait que vous achetez un terrain sur papier dans une maison, chez un notaire, dans un titre foncier. On vous fait même un morcellement. Si vous avez fait l'erreur de ne pas voir avant, parce que vous avez fait confiance au papier. Mais quand vous vous rendez sur le terrain, vous trouvez que vous avez les pieds dans l'eau jusqu'au niveau des jambes. D'accord. Parce que on a faussé, on a refusé d'appliquer la réglementation. Le ministre des Domaines, s'il est convaincu par une mission d'inspection que ce titre foncier a empiété dans le domaine public, il est fondé à l'annuler. D'accord, alors le titre foncier, donc je dis, je termine, très rapidement, que M. Atou, qui fait des liquidations qui ne se terminent pas, peut-être qu'il faut une loi, hein, Marc Webo, c'est vous qui attaquez tout le monde. Pourquoi vous ne demandez pas une loi qui limite les liquidations? Comment quelqu'un peut faire une liquidation de 30 ans? Tu ne fais que liquider la même entreprise depuis 30 ans. Qu'est-ce que les titres fonciers des entreprises publiques ou parapubliques font entre les mains d'un cabinet qui était chargé de faire la liquidation? D'accord, Abel, merci. C'est une question. Max, au domaine. Alors, l'article premier de... S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? On a compris. Merci. Donc, le ministre peut être fondé à annuler des titres fonciers. Alors, si le cabinet Atou, par des tours de passe-passe, a transformé ce patrimoine national en patrimoine privé. Alors, justement, dans l'arrêté du ministre des Domaines, Cadastres et Affaires foncières, il précise que acte est pris de la fausse ou de la faute de l'administration matérialisée par la mutation des titres fonciers numéro 35 885 Bavoury et 35 886 Bavoury au profit de la société All Luxurious Suite SA en violation des très hautes instructions du chef de l'État contenues dans la correspondance numéro 33 37 CF SG PR du 24 juin 2021 prescrivant à l'administrateur général du cabinet Atou de sursoir à toute tentative d'aliénation du site de la direction générale de l'ex-régime ECAM à Douala Bonanjo, objet des titres fonciers suscités dans l'attente de la décision finale que le président de la République voudra bien prendre sur ce dossier. Est-ce à dire que finalement les instructions du chef de l'État n'avaient pas été suivies ou alors? Pas du tout. L'État a été malencontreusement, comme le dit Abel Limbilobé, induit en erreur. Non, il est clair. Je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que le patron du cabinet, là, Atou, je crois que lui-même, il me remet même parfois en cause la mention sur haute instruction du chef de l'État, à moins que je me trompe. Je crois qu'on est arrivé pour lui. Quand vous essayez de suivre M. Atou, il arrive à un stade où il a l'impression que c'est devenu une mention fantaisiste. Hein, quand on dit sur très haute instruction du chef d'État. Il n'est pas sûr que c'est véritablement ouais. Il n'est pas sûr. Ça peut même être l'instruction du gars qui veut le combattre. Par exemple,
Et du coup, il transgresse. Voilà. Et là, on peut donner un peu raison à M. Atou, puisqu'on a vu le secrétaire général à la présidence de la République, d'accord, émettre également, je crois que c'était un courrier, non, à l'attention du... C'est qu'il y a de quoi? Du TCS ou du ministre de la Justice, pas très bien. Mmh. Disant sur... du... Non, le ministre de la Justice. La Justice. Il aurait un pour, lui, pour ouvrir des procédures judiciaires dans le cadre de... Non, on de devait communiquer. Libérer, on demandait qu'on libère justement Atangana. Monsieur Atangana. Je crois que le secrétaire général, il s'adressait à qui? Au TCS ou bien à qui? Je crois que... Pardon? Au ministre de la Justice. Et vous voyez bien que le ministre de la Justice lui-même, qui, il faut le dire, est un ancien secrétaire général de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas exécuté. Il n'a pas exécuté la preuve. Atangana est toujours en prison. Du coup, on a donc effectivement le sentiment qu'il y a des gens qui sont convaincus. Galvaude. Il y a des gens qui sont convaincus que les autres instructions du chef de l'État n'émanent même pas forcément du chef de l'État. Donc maintenant, quand on prend une telle décision, on fait un tel courrier, Monsieur Atou, lui, ça laisse à 37. Hein. Lui, il estime justement que ça ne vaut absolument rien. Mais est-ce que la décision du ministre vise véritablement à sécuriser le patrimoine foncier de l'État? Oui. À travers la régie FECAM qui a été confiée en administration au cabinet Atou. Non, en liquidation au cabinet Atou. Non, en réalité, il faut voir deux choses. On peut voir d'un côté que peut-être il y a des gens qui en veulent à Monsieur Atou lui-même, mais je ne veux pas aller de ce côté parce que moi je n'ai pas suffisamment d'éléments de ce côté. Je reste quand même sur des éléments de droit pour dire quand même qu'on ne peut pas liquider une société comme dit Alibé Binoubé pendant 30, 40, 50 ans et ça ne finit jamais. Alors s'il y a justement un ensemble de faits qui sont avérés, parce que ne nous cachons pas, hein, le cabinet Atou a fait quand même du patrimoine de l'État une propriété privée et parfois même personnelle. Il est donc de bon ton à un moment donné qu'on cherche justement à stopper un ensemble de dégâts et dans la mesure du possible même annuler un ensemble de titres fonciers qui ont été accordés de manière fantaisiste. S'il te plaît. Vous allez revenir. Non, je vais juste pour... Non, vous allez revenir, s'il vous plaît. Tu as lu le décret, l'arrêté. Il parle d'une mutation. Bien évidemment. Ça veut dire qu'on a changé le propriétaire. Oui. C'est ça. Et là, comprendre. Oui, tout à fait. Voilà. Donc le propriétaire était l'État et le cabinet à toi est devenu propriétaire. Ce qui n'a rien à voir avec la liquidation. Merci beaucoup. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il prend certains biens à des fins personnelles et ça peut poser problème. Alors comment on fait pour arriver à des situations comme celle-là où on s'accapare des biens de l'État, on en fait des propriétés personnelles? Au mépris même de ce que tout à l'heure, le docteur Soumbapé, tout à l'heure, la République, la chose de tout le monde. Oui, Fred, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire aux représentants du MRC que nullement le SGPR n'a demandé la libération de M. Atangana. Il a tout simplement rappelé les chefs d'accusation qui ont été revus. Il n'a jamais demandé au garde des Sceaux de libérer le ministre Atangana. Il faut que les Camerounais le sachent. Il n'a jamais écrit cela où il demande qu'on libère le ministre Atangana, jamais de la vie. Maintenant, quand j'ai répondu à cela, je vais vous dire, nous reconnaissons tous que dans l'esprit de certains Camerounais, il y a un manque criade du respect de la loi. Il y a un manque du respect de la loi, ce qui fait qu'on se retrouve à des cas de corruption et autres. Parce que quand un cabinet peut se retrouver en train de se retrouver détenteur des biens qui appartenaient à l'État, là c'est dangereux. Et on sait que les cabinets, la parole d'un cabinet doit être sacrée. Le cabinet doit rester dans la législation. Mais certains Camerounais font de tout et du n'importe quoi. Mais nous avons quand même les institutions. Le SGPR qui a reçu mandat, il a reçu délégation de signature, délégation de pouvoir. C'est lui qui demande, pas de pouvoir de signature, je vais me limiter là, qui a reçu délégation permanente de signature. Voilà. Doit voir clair pour aider le chef de l'État. Parce que c'est vous qui dites que le chef de l'État est mal entouré et quand bien ceux qui entourent le chef de l'État veulent... Vous dites qu'ils sont corrompus, ils veulent cacher, parce que vous dites maintenant que il veut sauver Sirius Ngor, il avait vendu ceci. Non, il est tout simplement en train de faire son travail. Monsieur Fred Moutomé, les biens de l'État sont inaliénables et imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vendez les biens de l'État, même après 40 ans, l'État va rentrer en possession de ces biens.
On vous cède une parcelle des biens de l'État. Même après 70 ans, l'État va rentrer en possession de ses biens. Il s'agit tout simplement d'un flou au niveau du respect, comme le disait le grand frère Abel Elimbi Lobessi. Même si on parle des actes de naissance, vous allez voir que la plupart des Camerounais utilisent des faux actes. Ceux qui pleurent aujourd'hui à la télé, je veux ma CNI. Si on vous dit ce que les Camerounais font des CNI ici dehors, vous n'allez pas croire. Et quand vous vous retrouvez donc avec 2, 4, 5 identifications, et puis on vous dit, monsieur, revenez à la logique pour que votre CNI puisse sortir. Vous partez pleurnicher dans les réseaux sociaux. Je veux ma CNI. Alors, est-ce que non, pouvez... ça s'inscrit dans la logique de ceux qui ne respectent pas la loi. D'accord, on ne respecte pas la loi. On est peut-être dans ce cas de figure. Mais est-ce que vous comprenez qu'on en soit arrivé à des mutations des biens de l'État en des biens privés? Pour que vous compreniez dans quel état nous sommes. Le 1er octobre 1996, le décret numéro 96-230 du chef de l'État qui annulait toutes les ventes et baux sur les titres fonciers 36-25 du Vouri, 37-24 du Vouri. En 1996, c'est le 12 juin que M. Ndjoro 12 juin 2021, que M. Ndjoro Amamoum, n'est-ce pas, qui préside le comité qui a été mis sur pied afin de formuler des propositions sur la situation de ces gens dont les titres fonciers et les baux avaient été annulés, leur demandait de venir dans le cabinet de maître Atou se faire recenser de 96 à 2021. D'autres croyaient que c'est une situation qui était à passer dans les cas de perte et profit. En 2020, le ministre des Domaines est obligé de signer une convention avec un cabinet privé, n'est-ce pas, pour le recensement du patrimoine privé de l'État dans la ville de Douala et de dans les villes de Douala et de Yaoundé. Il est obligé de faire appel à un cabinet privé parce qu'on ne fait plus confiance aux fonctionnaires. Ce n'est pas toujours ça. Qui sont auteurs de toutes sortes de magouilles. Et on vous dit que en 6 mois, entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020, près de 21 hectares ont été récupérés à Douala et 156 hectares à Yaoundé sont revenus dans le patrimoine de l'État. Ça, c'est un patrimoine qui était déjà entre les mains des particuliers et qu'on a ramené. Et on précise que dans le centre-ville. Donc, je ne voulais pas me limiter sur le cas de du liquidateur éternel, n'est-ce pas, de l'ex-éternel, mais on étend ça parce que lui-même est en train de subir. On est en train de revenir sur tout ce qu'il a fait. Qu'il ait vendu à tort ou à raison, on recense tous ces gens-là. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, les Camerounais ont maille à partir avec la chose publique. Les Camerounais ont pris des libertés avec la chose publique, et surtout les fonctionnaires. On a même, ils sont allés jusqu'à fausser les données cadastrales. Ils appellent ça la map cadastrale du Vouri, du Fundi, et même de la Mofouafamba. On a brouillé toutes les données. Il faut maintenant que ce soit un cabinet privé qui revienne. Et que l'État est obligé de payer cher pour ramener le patrimoine privé de l'État. Donc, les Camerounais, les fonctionnaires, et puisqu'il a dit ici tout à l'heure qu'il préfère gérer en équipe, il préfère gérer avec des camarades du parti, nous voyons donc ce que ces camarades du parti sont en train de faire du patrimoine privé de l'État. Au point où on soit obligé de faire appel
à des intelligences extérieures cette fois-ci, pour compétences, comme on le disait, et pour honnêteté, pour venir remettre dans le patrimoine de l'État une bonne portion qu'il a perdue du fait de la mauvaise gestion. Alors, est-ce qu'on est dans une fin de récréation avec cette sortie du ministre des Domaines Cadas et Affaires Foncières, Henri Eyebe Ayissi, qui d'ailleurs précise que ce retrait a des conséquences. Vous le savez très bien, quand on parle de retrait ou d'annulation d'un titre foncier, il y a forcément des conséquences multiples qui s'en suivent. Je voudrais faire une précision. Vous savez, l'article 7 de l'ordonnance 74 sur le régime domanial dit ceci: toutes les terres appartiennent à l'État. Et on distingue. Monsieur Lévy, je ne serai pas d'accord avec vous sur cette. Non, j'en viens. Je développe, peut-être qu'il comprendra. Je sais qu'il a la facilité de comprendre. Et à partir de là, on distingue trois domaines, c'est-à-dire le domaine public de l'État, le domaine privé de l'État et le domaine national. Maintenant, s'agissant du domaine public de l'État, on dit à ce niveau-là que les biens de l'État sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Cela veut dire que si tu prends une portion du domaine de l'État, du domaine public de l'État, même si tu y fais 30 ans, il n'y aura pas ce qu'on appelle la prescription trentenaire, donc tu ne peux pas te constituer des droits réels. À partir de là, comme disait Loisel, celui qui a mangé la loi du roi, même 100 ans plus tard, en rendra les plumes. Donc à partir de là, ça veut dire que dans le domaine public de l'État, aucun particulier ne peut se constituer des droits réels. Mais maintenant, il reste donc deux domaines. Il y a le domaine privé, où par contre les biens peuvent être aliénables. Et là, je prends un exemple. Ça dit que l'université de Douala, il y a des vieilles voitures là-bas pour procéder à la vente des voitures. Mais à condition que le recteur signale au ministre des Domaines et des Affaires Foncières. Parce qu'en réalité, ça fait partie des biens de l'État. Il y a un des recteurs qui a Chang. Avait vendu les véhicules estimant que cela relevait de sa compétence et cela a suscité plutôt sa révocation. Maintenant, au troisième domaine, c'est le domaine national. Un peu comme on estime le domaine appartenant à tous. Mais là encore, il y a une procédure qui est prévue. Il faut procéder justement à l'immatriculation du terrain. C'est-à-dire que l'État t'accorde donc un certain droit réel à partir des procédures d'immatriculation, ainsi de suite, pour l'aboutissement d'un titre foncier. Ça veut donc dire que lorsque vous avez donc un titre foncier désormais établi, vous savez que les caractères du titre foncier sont clairs. Le titre foncier est inattaquable, est intangible et est, je crois, imprescriptible. On se rend bien compte que si donc l'établissement d'un titre foncier a reposé sur des procédures viciées, c'est-à-dire que irrégulières, tout naturellement, son caractère inattaquable est perdu. On peut donc attaquer le titre foncier qui a été établi sur des bases irrégulières et fausses. Donc, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est extrêmement grave. Et vous comprenez, donc aujourd'hui, l'action menée par l'État pour récupérer les terres est une très bonne chose. Parce que si, à cette allure, nos enfants ou petits-fils ne trouveront rien, ils auront construit sur les marigots. Et c'est pourquoi vous convenez avec moi aujourd'hui que même les zones à risque, les gens partent y construire avec les titres foncés, sous la tolérance, sous la bannière de la tolérance administrative. Non, écoutez, quand ces maisons déboulinent, comme on voit tout ce temps qui tue les gens, c'est à partir de là que certains prennent du recul en disant que, ah, vraiment, on m'avait averti parce que je suis allé construire à une zone à risque. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'État doit reprendre la main et comprendre que toutes les terres lui appartiennent. Parce que quand on dit appartenir à l'État, cela veut tout simplement dire que c'est l'État qui est gestionnaire du terrain. C'est-à-dire que c'est l'État qui entretient et contrôle les dix terrains. Donc, en cas d'appropriation privée, il faut se soumettre tout simplement à la loi. Alors, on va sortir. Hein. Il nous reste un dernier tour de table. Permettez que je puisse commencer avec Marc Wabo. Marc Wabo, au-delà de cette décision forte du MINCAF, comment l'État doit pouvoir continuer à procéder pour se reconstituer son patrimoine? Il faut quand même dire que la question de ce patrimoine foncier de l'État revient toujours au devant de la scène. Non, je crois qu'il n'y a même pas de souci à se faire. Je crois que le camarade, bien l'ami en face là, juste à côté de moi, à ma droite, PCL, oui, oui, il a dit que je crois qu'à l'heure actuelle, quand je l'ai suivi, on a confié justement, comment je peux dire,
on peut parler d'un audit. Tout un audit pratiquement. Le recensement. À un cabinet privé. Oui. Je crois que si l'État arrive à faire appel à un cabinet privé, ça veut dire qu'il faut donc questionner justement l'honnêteté de certains fonctionnaires véreux et un ensemble de personnes. Donc nous pensons justement que c'est un travail qui est louable. Et je crois que qu'on laisse le cabinet privé, qu'il n'y ait pas justement des mains invisibles justement qui viennent dans le but justement de fleurer le dit cabinet, je crois que l'État entrera justement en possession de son patrimoine. L'État doit retrouver son patrimoine, c'est un vœu. D'ailleurs, on se souvient encore qu'il y a quelque temps, le président de la République, à travers le secrétaire général de la présidence de la République, avait décidé que toutes les opérations foncières d'un certain niveau passent essentiellement par la présidence de la République. Est-ce que cela visait davantage à sécuriser le patrimoine privé de l'État et donc éviter qu'on arrive à des situations comme celles qui soient reprochées aujourd'hui au cabinet Atou? Oui, bien sûr, Fred, le chef de l'État a instruit cela parce qu'il voulait voir un peu plus clair. Et je salue déjà ce qui est en train d'être fait par le cabinet Atou, même comme le conseiller dit que ce sont nos camarades qui gèrent mal, mais ce sont les mêmes camarades qui convoquent l'audit du cabinet Atou. Et le RDPC, nous qui sommes là, nous sommes en train de faire le travail, que les gens le veulent ou pas, nous sommes en train de sauver les terres. Je salue encore bien cette initiative qui est louable. Et il faut avoir un cœur de père pour engager une telle procédure. Parce que vous savez, lorsque vous engagez ça, vous ne serez pas applaudi. On l'a évoqué tout à l'heure de façon simpliste. Les conséquences induites à l'annulation des titres fonciers impliquent d'énormes pertes. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent dans l'acquisition ou dans les mutations des titres fonciers. Alors, lorsqu'on annule ces opérations-là ou ces titres fonciers, ceux qui ont mis de l'argent sont forcément des perdants. Donc, c'est d'énormes sommes d'argent. Justement, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre l'argent en respectant la réglementation en vigueur. Lorsque vous mettez votre argent, parce qu'il faut aussi voir, vous allez voir des messieurs qui ont beaucoup d'argent, ils savent bien que s'ils construisent là, ils seront attaqués. Mais comme ils croient qu'il a l'argent et ils pensent que l'argent est au-dessus de la loi, il s'en va quand même faire. Oh, la loi est très dure. Et quand la loi arrive, la loi vous assomme. C'est le moment de rappeler aux Camerounais qu'il y a les institutions qui sont là pour vous aider lorsque vous voulez acheter votre terrain. Il faut vous rapprocher soit de la mairie, soit du bureau du cadastre pour prendre acte de ce qu'il faut réellement faire pour avoir un titre foncier ou bien pour acquérir un terrain quelque part. Mmh. Ça va aider les Camerounais pour que nous n'arrivons pas à des conséquences. Parce que parfois aussi, d'autres ne connaissent pas, on les entraîne dans du n'importe quoi et ils ont des faux titres fonciers. Alors, mais est-ce que le cabinet Atou aujourd'hui ne paye pas le prix de son action intentée contre le port autonome de Douala? Je savais. Je ne vois pas quel est le lien entre la dépense du patrimoine de l'État et le cabinet Atou et le port. Non, je préfère qu'on reste. En fait, moi, je préfère rester, n'est-ce pas, dans l'analyse de ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, pour encourager le travail qui a été initié par l'État. J'ai dénoncé une action, estimant que j'avais tous les éléments de ma dénonciation, notamment l'affaire de la fameuse sécurisation ou du marché spécial de sécurisation du port autonome de Douala de plus de 25 milliards de francs CFA. Quelque temps après, ce sont les titres fonciers mutés, frauduleusement ou pas, du cabinet Atou qui sont aujourd'hui mis au devant de la scène et qui font l'objet davantage de débats, de querelles. Question de peut-être reposer sur la table du débat la longue liquidation autour de l'ex-Régifecam, puisqu'il s'agit de ça. Vous ferez un papier là. Je suis passé avec tous les éléments. En ce qui me concerne, oui, n'est-ce pas, nous parlons du patrimoine de l'État, oui, qui est en train d'être récupéré. Nous voulons qui avait été dilapidé d'une façon ou d'une autre. Nous sommes en train d'encourager ce travail qui est en train d'être fait et je voudrais vous rassurer que ce cabinet donne entière satisfaction jusqu'à présent. Et si dans la gestion de la liquidation faite par Maître Atou, s'il y a des malversations qui ont été faites à ce niveau-là, ce cabinet va les révéler. Mais pour l'instant, on ne peut pas être, moi en tout cas, je ne peux pas être péremptoire pour
porter un jugement sur les actions qui ont été posées jusqu'à présent. Les immeubles, c'est ce que l'arrêté du ministre dit, hein, que les immeubles qui est initialement objet des 10 titres fonciers réintègrent d'office le domaine privé de l'État. Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'en réalité, puisque c'est le domaine privé, les biens qui sont aliénables, c'est la raison pour laquelle on ne peut réintégrer ces biens acquis que dans le domaine privé de l'État. C'est pourquoi il dit bien que les immeubles là vont réintégrer le domaine privé de l'État. Je vous ai indiqué tout à l'heure les caractéristiques qui sied à ce domaine privé. Mais que doivent faire les particuliers qui sont frappés par ces annulations aujourd'hui? Non, ils ne doivent se mettre que dans la légalité. Ils ne doivent se mettre que dans la légalité. Je vous ai pris un exemple de l'université de Tchang où un recteur avait vendu des voitures estimant qu'elles étaient déjà, elles encombraient le parking, des vieilles voitures. Or, la loi dit que l'achat de ces voitures, au préalable, il faudrait qu'il y ait une autorisation du ministère du Domaine et du Cadastre. Vous voyez? Or, ceux qui avaient donc acheté les voitures sans l'autorisation du ministre sont tombés dans l'illégalité. Et il y a donc eu des poursuites en rétrocession de ces ventes. C'est donc pour dire que, et ça je redonne à Yenga François, pour indiquer que quand vous voulez acquérir quelque chose, renseignez-vous sur les mécanismes que la loi prévoit. Parce que pour éviter que, à la suite d'un achat comme celui-là, qu'on vienne vous dire non, vous avez payé un véhicule qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre, bien que c'est le recteur de cette université qui a décidé de les vendre. Mmh. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'il y a là, peut-être du côté de, du vendeur, une mauvaise offre à l'acheteur. Parce que là, bon, personne ne le saura. Quand on dit le recteur vend les voitures, si vous avez l'information, vous viendrez acheter sans vous imaginer que la loi à la matière voudrait que ces voitures, avant leur vente, il y ait une autorisation du ministre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est la même chose sur les biens du domaine privé de l'État. C'est-à-dire que ces domaines sont accessibles, sont aliénables, mais à condition que les lois doivent être respectées. Abel, une querelle faute de fourmilière ou une résolution autour de la dilapidation des biens de l'État, c'est ce qu'on doit pouvoir retenir? Ce sont les hommes qui gâtent et c'est d'autres hommes qui réparent. Si le ministre Yébé Aïssé est en train de réparer, je le félicite. Qu'il n'oublie pas la situation de Ndjondjo. Le chef de l'État a donné 1570 hectares. Les mêmes gens sont en train d'arracher ça. Et demain, ils se retrouveront devant. J'ai gardé au ministre deux morceaux. Voilà, c'était évident. Pourquoi au ministre? Parce qu'il est en train de faire ce qui est bon. Ok. Il doit avoir le cœur à l'ouvrage. Le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 1, verset 7. Sagesse et discipline, voilà ce qu'ont méprisé les fous. Les fous ont méprisé la sagesse et la discipline. Les atouts sont devenus très puissants. Vous avez vu, on a fait une émission ici, quelqu'un qui est devenu puissant. Il a fait tomber des ministres, paraît-il. L'informel, les réseaux. Voilà pourquoi vous avez fait cette émission. Deuxième morceau choisi que j'ai gardé au ministre. C'est encore le roi Salomon qui parle. Il dit, car le commandement est une lampe, la loi une lumière, et les blâmes de la discipline sont le chemin de la vie. Il faut que ceux qui piétinent la discipline se retrouvent devant les conséquences de leurs agissements. Mais ça ne doit pas être simplement les annulations des titres fonciers. Il faut bien que ceux qui ont établi ces titres fonciers-là, qu'on les retrouve et qu'on les punisse. Des choses extraordinaires au domaine. On est arrivé au stade où les gens vont maintenant dans les archives des services du domaine sortir les fonds des dossiers qui ont servi à l'établissement des titres fonciers. Les égarer. Parce qu'ils sont en train d'occuper mes terrains là-bas. Il ne faut pas qu'on les retrouve.
Tout est faisable. Personne n'a plus peur. Quand nous étions petits, tu te rappelles, même comme je suis ton aîné, on disait, ne touche pas à la chose du gomme là. Ne touche pas au compteur. Vous connaissez les compteurs d'électricité là. De l'époque. C'était, on avait peur de toucher au compteur. Ce matin, j'étais en route et quelqu'un m'interpelle. Et vous sortirez pas ça? On a mis les sabots sur sa voiture qui est garée au parking avec toutes les autres voitures. Il me dit, je dis, mais on a mis les sabots, pourquoi? Il dit que l'agent municipal dit qu'il a mis sur sa voiture, voiture à vendre. Quand tu mets sur ta voiture, voiture à vendre, tu vends ton bien qui t'appartient. Tu es le gars parce qu'il roule sur le parking autorisé. Un agent verra qui gâte le nom de la commune, qui gâte le nom du maire, qui gâte l'esprit de la décentralisation, qui fait en sorte que des conflits, comme on a vu le policier en train de lutter avec un conducteur, des choses de cette nature se multiplient dans la société parce que personne n'a plus peur de rien. Merci beaucoup, Abel. Là, la conséquence inéluctable de la mauvaise gouvernance. Merci beaucoup à vous. Salut à l'émission tout au clair en ce qui concerne les biens immobiliers et aux fonctionnaires de en ont fait leur propriété privée, ce qui explique la malgouvernance et précise vieillissante et maudite qu'elle dégage, laisse la place à une autre gouvernance. C'est M. Emmanuel qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. La loi n'est pas rétroactive. Aucun directeur n'a atteint 9 ans, car bien que certains ont plus de 10 ans d'ancienneté au poste au moment de la promulgation de cette loi, leurs compteurs reviennent à zéro et prennent effet à partir de la promulgation de la nouvelle loi. C'est François de Limbe qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Sauf erreur et mal compréhension, l'article 70 de la loi de 2017 dit bien, dans tous les cas, les mandats cumulés ne peuvent dépasser 9 ans. Peut-on croire à l'ancienneté lorsque l'ancienneté ne fait-elle pas partie de l'un de ces cas vrai de vrai? Il faut faire partie des directeurs généraux qui ont occupé les postes depuis plus de 9 ans déjà, et surtout que les conseils d'administration prennent leur courage en main. Joli Minko, les directeurs généraux qui ont reçu quitus de leur conseil d'administration ne sont-ils pas en prison aujourd'hui? Et en plus, ces présidents de conseil d'administration n'ont-ils pas dépassé le nombre de mandats comme les directeurs généraux? C'est une autre question qui a été posée. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors là, c'est toute une Bible qui nous a été envoyée. Le représentant du RDPC dit que le Cameroun se porte bien. Alors, j'ai du mal à comprendre un tout petit peu son message, hein, parce qu'il y a des mots qui manquent dans la question. Ernest qui nous a écrit depuis le Gabon, si vous pouvez refaire ou reformuler votre SMS, on espère qu'on aura le temps de pouvoir le lire. Bonsoir le plateau, c'est Yannick depuis Bafoussam, très bon débat, qui met en lumière la malgouvernance une fois de plus. Monsieur Limbi, merci pour votre franc-parler. Et surtout, nous avons besoin des députés comme vous pour faire bouger les lignes dans ce pays. Bonsoir à vous sur le plateau. Belle émission, Frédéric. Invité souvent ce genre de militants du MRC et non ce que nous voyons dans les plateaux de télévision à gauche et à droite. M. Wabo ce soir a démontré que l'on peut débattre sans injures et sans insultes. Bravo à vous, M. Wabo. C'est que Dieu téléspectateur. Bonsoir à vous. Très bon débat sur la table ce soir. Pour une fois, le MRC est un représentant tempéré. On peut retenir beaucoup de choses ce soir. Bravo à Bel Limbilobé et au docteur Essomba. C'est Fou Dandy de Yaoundé qui nous a envoyé sa réaction. Bonsoir également à vous sur le plateau. Le représentant du RDPC est loin de la réalité que nous avons au Cameroun. On parle de mots qui touchent tous les Camerounais. Il nous ramène sur la défense de son parti politique. Les Camerounais de tous les bords sont fatigués de cette manière de voir les choses. Merci pour la pertinence de Vincent Hédé comme conseiller municipal du PCN et les autres panélistes. Max et Congo également, Max, le jumeau de l'autre. Bonsoir à vous. Moi, je suis écrit depuis une colbisson à Yaoundé. Les responsables du RAS sont partout
se sont partagés les terres du domaine privé de l'État. C'est M. Obama qui nous a envoyé son message. Dites-vous, alors, lisez l'article 66 de la loi numéro 2017-010 du 12 juillet 2017 relative aux organes sociaux des établissements publics. Il stipule que les établissements publics existent à la date de la publication de la présente loi, disposent d'un délai de 12 mois pour se conformer à ces dispositions. C'est ce qui justifie les lettres de rappel. 6 mois avant échéance, des situations des directeurs généraux adjoints de l'ISPM et directeur général de l'ARCEL qui ont été immédiatement remplacés. Dites-vous bien que les DGA de l'ISPM et DG d'ARCEL connaissent bien les subtilités de la non-rétroactivité d'une loi, mais ils ont saisi leur hiérarchie respective 6 mois avant pour leur rappeler que leur mandat arrivait à échéance du cumul des 3 mandats. Bonsoir à vous sur le panel. Le monsieur du RDPC nous a clairement expliqué pourquoi le Cameroun est à ce niveau. Si vous n'êtes pas de son parti politique, vous ne pouvez pas occuper un poste stratégique pour la simple raison que vous n'êtes pas de l'équipe qui gagne un pays où la compétence passe en deuxième position. Avec après la chapelle politique, c'est Roméo qui nous a envoyé également sa réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Francis depuis Houston aux États-Unis, précisément au Texas. Bon débat à vous. Bravo à Abel Imbiloba et au docteur Essomba sur le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Je constate que M. Wabo est de plus en plus clair et précis dans ses interventions. Serait-ce les consignes de son parti? Est-il toujours sûr que cette posture fait que de la critique du MRC ce soir soit audible? Ce ne sont plus des injures, des incantations stériles qui nous ont toujours été servies, au moins ce soir. Bravo à vous, monsieur Wabo. Vous êtes particulièrement pondéré. Invitez également vos autres compères à faire comme vous. Et cela permettrait de construire un Cameroun fort et efficace. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous. Très belle émission. Allez savoir comment a été construit le siège régional au rond-point Longkak à Yaoundé sur le domaine public de l'État. Maurice Kemou qui nous envoie son message. Autre réaction également qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous. Honnêtement, on a du mal à croire que M. Wabo soit un véritable militant du MRC. Franchement, bravo à vous. Je suis Blaise, je vous écris depuis la capitale économique du Cameroun. Le message sur l'ARCEL, on l'a déjà lu. S'il vous plaît, n'envoyez pas le même message 29 fois. Ça fait beaucoup. Bonsoir, je suis M. Etémé. Votre débat m'intéresse notamment celui portant sur la limitation des mandats des directeurs généraux. La loi de 2017 abroge une précédente loi, ce qui veut simplement dire que le chef de l'État n'a pas acté de nouvelles nominations conformément confirmant ou infirmant ses DG frappés aujourd'hui d'illégalité. Ce sont ces feintes à la camerounaise pour avoir un Cameroun plus fort et plus productif. C'est une réaction. Bonsoir, le Cameroun est un pays extraordinaire. À vrai dire, rien ne marche dans ce pays. Il va reformuler les choses dans tous les domaines. Le jeune militant du RDPC doit être vraiment fier de sa position sociale. Je voulais juste qu'il comprenne que beaucoup de jeunes Camerounais comme moi aspire à occuper des postes de responsables dans ce pays. Le développement d'un pays n'est pas l'apanage des militants d'un seul parti politique. M. Limbilobé veut changer également les choses, mais avec la Bible, cela ne peut pas forcément aboutir lorsqu'on sait que les réalités de la Bible, celles de notre commun des mortels, ne sont pas forcément les mêmes. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission ce soir. Bravo aux membres du MRC qui est posé dans cette émission de ce soir. Merci à lui et merci à plusieurs autres Camerounais qui nous ont envoyé des SMS encore ce soir. Il y en a plusieurs qui continuent d'arriver dans le cadre de ce programme de Tout au clair sur la télévision du monde. Bonsoir. Quel DG a été nommé à partir de 2017 et
qui est contesté. Ceux qui sont nommés avant sont illégaux. C'est ce que pense Augustin qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous, le panel. Respect au patriarche Abel Imbulbe. C'est une bibliothèque. C'est Grosso depuis Yaoundé qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Le représentant du MRC est particulièrement objectif ce soir, contrairement à ses camarades très passionnés la plupart du temps. Pour preuve, M. Limbulbe ne l'a pas agressé comme il le fait avec les autres dans le cadre de ce programme de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour dire qu'au pays, il y a des personnes qui sont juste, c'est Medio qui nous envoie son message. Peut-être un dernier SMS avant de refermer cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Il ne faut pas confondre abrogation et retrait, tandis que le retrait efface rétroactivement un acte juridique, l'abrogation le fait disparaître pour l'avenir. Ainsi, les effets de l'acte juridique abrogé sont considérés à la date de l'abrogation, ainsi que les mandats exécutés par les directeurs généraux au jour de l'abrogation de la loi de 99 restent consolidés et viennent s'additionner au nouveau mandat. Exemple, si demain on modifie le code pénal pour dépénaliser la bigamie, tous ceux qui auront été condamnés sous l'emprise de l'ancienne loi continueront de purger leur peine. C'est Maître Oumarou qui nous a envoyé également sa contribution. Plusieurs autres contributions continuent également d'arriver. Merci à vous tous, messieurs et dames, d'être... il rejoint tout le monde. Merci beaucoup. Merci. On n'aura pas le temps. Mais merci, merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'être venus encore ce soir. C'était la première livraison de Tout au clair de cette semaine. Merci à Max Webo du MRC. Merci également au conseil municipal Vincent de Paul Yédé. Merci au docteur Louisa Essomba qui nous a fait l'honneur de nous accompagner. Jean-François Yenga qui va certainement reprendre la route très tôt demain matin pour aller batailler pour sa place de président de sous-section. Bonne chance à vous, bonne continuation. Abel Imbulbe, on va se retrouver ce mardi 21h. S'il plaît à Dieu, mesdames, messieurs, bonsoir et rendez-vous, prenons rendez-vous demain. S'il plaît à Dieu, 21h, à toutes et à tous, très bonne soirée. 308, c'est sur le Bouquet Nassat. Au revoir. Trouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet Canal Sat au niveau du canal 308 et le bonheur se fera. LTM, la télévision du monde inspirée. Je suis un Camerounais, mais je joue les Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais, mais jamais le Camerounais. Making Off. Je suis ouverte à toute collaboration cinématographique. Il suffit juste de me contacter sur mes pages Instagram.